d'être venu à cette présentation du site Mémoire des Hommes. Donc, nous allons faire cette présentation en présence de Sandrine Auffray, qui est chef de projet de Mémoire des Hommes, direction de la mémoire du patrimoine et des archives du ministère de la Défense, de Jean-Michel Gillot, qui est à l'initiative de l'indexation collaborative Un jour un poilu, d'Antoine Parent, qui est économiste et historien, et de Guillaume Demorand, qui est journaliste et généalogiste, journaliste à la Revue française de généalogie. Donc, le site Mémoire des Hommes, je vais vous le présenter brièvement. Donc, il a été inauguré en novembre 2003 avec la base en ligne des morts pour la France de la Première Guerre mondiale. Et depuis 12 ans, il n'a cessé de s'enrichir. En complément de ces fonds, donc aujourd'hui, vous pouvez trouver plus de 1 300 000 fiches et 18 500 000 données, donc ce qui est quand même assez, assez important. Pourquoi autant de données? Puisque sur chaque fiche de mort pour la France, vous pouvez trouver entre 16 et 18 renseignements qui peuvent vous servir pour vos recherches. Et depuis le mois de novembre 2014, ont été ajoutées 95 000 fiches de soldats non morts pour la France. Sur ce site, vous pouvez également y trouver des journaux de marche et opérations et également les dossiers des fusillés pour la France, des fusillés, pardon, de la Première Guerre mondiale. Ce site également vous propose un catalogue des historiques régimentaires des unités engagées dans la Première Guerre mondiale et également la base Sépulture de guerre, qui est auparavant un site séparé et qui maintenant a été ajouté à Mémoire des Hommes. Depuis sa création, les données sont structurées de façon à ce qu'elles peuvent être récupérées par d'autres sites, notamment, donc, comme l'a présenté Michael Bourlet, le portail européen des archives et également le Grand Mémorial qui a été récemment inauguré. Je vous propose maintenant de commencer par les origines du portail et quelles ont été les difficultés de la mise en place. Tout à l'heure, on a eu une question par rapport à la CNIL, justement. Donc, je pense que Sandrine Auffray va pouvoir nous éclairer sur le sujet. Ça fonctionne ? Oui. Bonjour à tous. Eh bien, déjà, en préambule, je voulais dire que je suis très heureuse de faire partie de cette table ronde. Je trouve que c'est une belle reconnaissance, pour une belle occasion pour le ministère de la Défense de présenter, de faire valoir comment ce ministère fait vivre le site Mémoire des Hommes au quotidien, quels sont ses objectifs et ce qu'il souhaite faire avec ce site. Alors, comme vous l'avez dit, hein, ce site a bientôt 12 ans, inauguré le 5 novembre 2003. À l'époque, la direction de la mémoire du patrimoine et des archives vient d'être créée. Et le secrétaire d'État aux anciens combattants de l'époque, Jean-Pierre Masseret, souhaite mettre en ligne un mémorial virtuel national en hommage aux soldats qui sont tombés au cours de la Première Guerre mondiale. Pour le ministère de la Défense, il s'agit d'entrer dans l'ère des nouvelles technologies, mais très clairement de faire cet hommage virtuel aux soldats. Ce fichier, je le rappelle peut-être, de la base des morts pour la France de la Première Guerre mondiale, est un fichier général en fait des soldats décédés au cours de ce conflit, qui a été établi à l'issue du conflit et qui avait deux principaux objectifs. Celui de renseigner sur le décès des soldats d'une part, également sur celui de tenir à jour la notion de la mention « mort pour la France ». Vous le savez tous, mention qui a été créée en 1915 et donc à l'occasion de ce conflit. J'aurai l'occasion d'y revenir. Ce fichier, donc, c'est aussi donc, le fichier général des soldats morts, donc ceux qui ont obtenu la mention et ceux qui ne l'ont pas obtenu. Très vite, bien sûr, nous parlons aujourd'hui essentiellement de la Première Guerre mondiale, du conflit 14-18, mais très vite, comme vous le savez aussi, le site Mémoire des Hommes va continuer, je dirais, sa poursuite en hommage aux combattants des différents conflits contemporains.
Et dès 2003, en décembre, est mise en ligne, la base de données des morts pour la France de la guerre d'Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie. En l'occurrence, il s'agit de répondre à l'inauguration d'un mémorial national, le mémorial du Quai Branly, qui est inauguré le 5 décembre 2003. Vous avez l'historique qui est présent, hein, qui est repris sur le site Mémoire des Hommes dans, dans le premier onglet, dans l'onglet présentation. Et puis, dès 2004, 2005, cette poursuite, hein, dans les conflits contemporains, comme je le disais, avec la mise en ligne de la base des morts pour la France de la guerre d'Indochine, avec quelques éléments. Entre-temps, apparaît le site Sépulture de guerre. On a l'habitude de dire, hein, qu'il est un peu le frère, en tout cas techniquement, la coquille frère du site Mémoire des Hommes, puisque en 2004 d'ailleurs, les deux sites vont pouvoir se répondre. Et donc les internautes, en interrogeant la base des morts pour la France de la Première Guerre mondiale, vont pouvoir lancer une recherche sur le site Sépulture de guerre. Il y a un pas important pour Mémoire des Hommes. Le pas important se produit en 2008, toujours à l'occasion d'un 11 novembre. On aura aussi l'occasion d'y revenir. Le 11 novembre est une date clé pour Mémoire des Hommes à tout point de vue. Au niveau, je dirais, des inaugurations, de sa refonte et aussi de sa fréquentation. Et ce n'est pas la loi du 24 février 2012 qui, désormais, hein, fait du 11 novembre une journée nationale d'hommage à tous les morts pour la France qui va nous contredire, et bien au contraire, qui renforce l'ouverture des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, nous ayant été aussi, bien sûr, largement favorables. Donc je reviens à 2008 et à l'occasion du 11 novembre. Là, l'idée du ministère de la Défense, c'est de formaliser un peu plus peut-être, avec le décès du dernier poilu, Lazare Ponticelli, le 12 mars 2008, le passage de la mémoire à l'histoire. Et à cette occasion, vont être numérisés et mis en ligne un patrimoine archivistique très important, que sont les journaux des marches et opérations. On dit de façon plus générique les journaux des unités, hein, puisqu'il s'agit également des journaux de bord, de navigation, carnets de comptabilité de vol, donc d'une part de la marine et d'autre part de l'aéronautique, donc de la future armée de l'air. Donc plus de 3 millions de pages sont numérisées, sont mises en ligne. Et là, à ce titre, le site Mémoire des Hommes, au-delà de cet hommage virtuel, rentre, je dirais, dans une politique classique de mise en ligne de documents d'archives numérisés, accessibles à tous et effectivement de façon gratuite. Au titre des conflits contemporains, la Seconde Guerre mondiale, jusqu'alors couverte uniquement par la base des fusillés du Mont Valérien, un peu plus de 2000 noms, une nouvelle ouverture au site Mémoire des Hommes, puisque pour le 8 mai 2010, est mise en ligne la base non plus des soldats morts pour la France, mais la base des militaires décédés au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ce conflit, bien sûr, est éminemment plus complexe en termes de combat et, je dirais, en termes militaires. Et dans cette base, donc, on y trouve finalement aussi bien des soldats, des militaires d'actifs que des conscrits, des métropolitains que des coloniaux, mais aussi, bien sûr, des résistants que des forces vichistes qui ont combattu au Levant, par exemple, ou en Afrique du Nord. Donc, les choses sont plus protéiformes, et donc la mention pour la France s'applique à un certain nombre d'entre eux, mais pas à tous. Et c'est en ça, finalement, que Mémoire des Hommes poursuit cette idée mémorielle, mais aussi historique. Nous mettons en ligne des données historiques à destination de tous et pour un usage, je dirais, multiple. Pour les généalogistes, pour les historiens, pour tous ceux qui ont besoin de retrouver une information.
En 2011, le champ historique est, alors là, s'ouvre complètement et nous remontons dans le temps, puisque à l'occasion de l'année des Outre-mer, qui voit consacrer les 10 ans de la loi Taubira, donc, qui font des traites et des esclavages un crime contre l'humanité. Un partenariat est noué avec une association d'une part, l'Association des Amis du Service historique de la Défense à Lorient, et d'autre part avec les Archives nationales, pour mettre en ligne des ressources documentaires concernant les compagnies des Indes, qui avaient au XVIIe siècle leur siège à Lorient et où se trouvent donc des archives auprès du service historique de la Défense à Lorient. L'association fait des dépouillements depuis plus d'une dizaine d'années et un de ses adhérents en particulier constitue un portail désarmement au long cours de ces différents navires. Donc ce sont toutes ces sources que nous mettons à disposition, ainsi que des cartes nautiques qui ont servi à la navigation de la traite négrière en particulier, donc à disposition des internautes. Donc là, vraiment, on remonte dans le temps et on se retrouve à la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle. Mais par ailleurs, et parce que nous avons toujours énormément de choses à faire et envie de faire aussi, c'est peut-être ça la frustration en tant que chef de projet que je dirais aussi, que je ferais comme retour d'expérience, c'est qu'il y a tout ce qu'on voudrait faire et puis il y a tout ce que le temps nous permet de faire, ainsi que les moyens bien sûr techniques et financiers. Donc en 2012, nous continuons donc dans cette diffusion des bases autour des conflits contemporains, en revenant plus vers nous et concernant finalement aussi cette quatrième génération du feu, celle d'après la décolonisation. Et donc nous mettons en ligne en février 2012 deux bases. La base des soldats décédés, principalement au Levant et au Maroc, en fait, tout au long du XXe siècle, dans le cadre des conflits coloniaux, et également la base des militaires morts en opérations extérieures depuis 1963, de façon à faire un lien, en fait, avec les précédents conflits et puis les morts depuis la décolonisation, en fait. Voilà, c'est pour nous un moment important aussi, un moment de questionnement, puisque pour parler de cette base OPEX, depuis malheureusement nous la mettons régulièrement à jour, et en particulier des militaires qui sont décédés en Afrique ces derniers mois. Donc c'est une question importante pour nous, puisque là nous sommes vraiment en hommage à des soldats qui viennent de décéder, avec des informations nominatives d'état civil, on pourra en reparler, toutes fraîches, hein, qui concernent vraiment des personnes qui viennent de décéder. En 2013, je poursuis mon chemin chronologique, ça me semble être le plus simple, à l'occasion de la commémoration des 60 ans de la fin du conflit de la guerre de Corée, qui est un conflit qui est moins connu et auquel la France a participé à travers le bataillon français de l'ONU, composé exclusivement de volontaires, hein, de militaires volontaires. Nous avons la chance que notre ministre délégué chargé des anciens combattants, Kader Arif, aille inaugurer la nouvelle mise en ligne de Mémoire des Hommes en Corée du Sud, donc en juillet 2013. Donc à cette occasion, nous mettons la base des militaires décédés. Ils sont 288, y compris quelques Sud-Coréens qui avaient été intégrés au bataillon français de l'ONU. Nous mettons aussi en ligne à cette occasion les journaux de marche et d'opération du bataillon français. Et puis, nous faisons une expérience qui nous semble intéressante historiquement et aussi concrètement réalisable, c'est de dresser une carte interactive des théâtres d'opération en Corée sur lesquels les soldats français sont décédés, et d'expliquer le contexte historique, d'illustrer aussi par quelques fonds iconographiques de la Défense ces théâtres d'opération.
Et puis 2013, c'est une très très grosse année pour Mémoire des Hommes, puisque en fait le site, sans entrer dans le détail technique, s'était enrichi depuis 2003 au gré des commandes politiques, au gré des besoins, avec un formalisme technique qui était très varié, on pourrait dire, hétéroclite, et qui rendait de plus en plus difficile l'administration du site. Je pense que les internautes ne le percevaient pas trop, mais nous, pour administrer le site, c'était vraiment difficile. On n'avait pas de possibilité, en fait, d'administrer de façon transversale les bases. Et puis, le site graphiquement, quand même, avait vieilli, hein. On était resté sur une image de 2003. Le web avait quand même largement changé. Et donc, il s'agissait pour nous d'affirmer, de réaffirmer cette identité visuel du ministère de la Défense, et puis surtout aussi d'offrir de plus grands services fonctionnels aux internautes, et puis comme je vous le disais aussi, vraiment d'optimiser pour nous l'administration. Donc c'est tout ce que l'on va faire donc en novembre 2013. Là encore, on a un très grand honneur, hein, puisque nous lançons cette refonte et ce nouveau site, cette nouvelle version, à l'occasion de l'ouverture des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale dans les salons de l'Élysée, donc avec un discours de François Hollande. Ça reste, pour moi en tout cas, même en tant qu'agent de l'État, un beau moment et une belle récompense d'un travail d'un an, hein, de refonte de Mémoire des Hommes. À cette occasion, nous mettons en ligne les historiques régimentaires. Voilà. Un mois plus tard, quelque chose qui était très très attendu des internautes, les registres contrôle de troupes de la garde impériale et de l'infanterie de ligne. Pour ceux qui se souviennent peut-être, c'est quelque chose que le ministère de la Défense promettait depuis 10 ans. Cette numérisation a été faite depuis 10 ans. Et puis avec un certain nombre d'aléas politiques, administratifs, techniques, pas de grands secrets finalement, en se posant la question, eh bien, nous avons enfin fait cette mise en ligne après justement une normalisation et une structuration de l'instrument de recherche pour répondre un peu aux propos de Michaël Bourlet en inauguration de cette table ronde tout à l'heure. Et puis j'en termine là, puisque en février donc 2015, hein, nous mettons en ligne une nouvelle base, la base des engagés volontaires en 1900 étrangers. En 1939-1940, plus de 50 000 noms à nouveau. Là, on alimente, je dirais, l'autre pan des commémorations par l'État, qui sont le 70e anniversaire de la Seconde Guerre mondiale. Je vais peut-être revenir un peu sur ce qui a fondé la refonte du site Mémoire des Hommes et d'un point de vue des nouveaux services que l'on souhaitait apporter aux internautes. Bon, déjà, c'était une présentation plus claire, donc avec un nouveau rubriquage, hein, donc de nouveaux onglets, avec des présentations qui correspondaient plus aujourd'hui à l'Internet que l'on connaît. C'était offrir aussi simplement un espace personnel pour que chaque internaute puisse historiser ses recherches et pas seulement à quelques endroits du site. Ça existait auparavant, mais pas partout. Ce qui nous semblait aussi fondamental, c'était avec la multiplication des bases nominatives, c'est que les internautes puissent chercher de façon uniforme dans ces bases. D'une part, en faisant que le critère nom ne soit plus obligatoire, il l'était jusqu'en 2013, par exemple pour la base des morts pour la France de la Première Guerre mondiale, mais que d'autre part, ce qu'on a appelé une recherche transversale, une recherche globale, soit possible. Aujourd'hui, si vous tapez un nom, un prénom, vous allez pouvoir avoir un ensemble de résultats pour l'ensemble des bases. Ça nous semblait très très important. D'un point de vue des documents numérisés, là aussi, nous souhaitions offrir une palette d'outils plus homogène et plus vaste aussi, plus complète, à travers une visionneuse digne de ce nom. Et donc, ce qui fasse que l'internaute, en fonction des documents numérisés, n'est pas une visionneuse différente, mais qu'il se retrouve dans un environnement. Au niveau des recherches aussi, notre souci, c'était de fluidifier la circulation dans les différentes fiches nominatives. Voilà. Et puis, il y a eu cette expérience que l'on a tentée avec vous et je pense sur laquelle on va largement revenir avec les autres intervenants, c'est celui de l'indexation collaborative.
Si finalement la base des morts pour la France de la Première Guerre mondiale a eu tant de succès, en toute modestie, hein, cette base a fait l'ouverture du site Mémoire des Hommes, et aujourd'hui encore, après quasiment 12 ans d'existence, c'est de très très loin la base la plus consultée. Alors bien sûr, parce que sur 2 700 000 noms interrogeables sur Mémoire des Hommes, elle en prend à elle toute seule la moitié, mais aussi parce que ce conflit importe majoritairement aux internautes qui viennent sur ce site. Et donc c'était donc une base qui permettait une recherche aisée, parce que quand même saisir un nom et avoir un résultat, ça reste quand même très précieux, je pense, pour un internaute. Mais c'est vrai que dans le cadre du cycle, hein, des commémorations du centenaire qui approchait, on se rendait compte aussi que les besoins des territoires et des particuliers pour faire un travail dans une autre logique étaient un peu empêchés, parce qu'on avait un niveau d'indexation qui ne le permettait pas. Donc, je le rappelle, hein, cette base a, d'un point de vue, a une indexation exhaustive s'agissant des noms, prénoms, date de naissance, département de naissance, ou si c'est à l'étranger, pays de naissance. Mais c'est vrai que interroger un lieu de naissance, ça n'était pas possible, un lieu de décès non plus, une date de décès non plus, voilà. Et non plus un lieu de transcription qui peut faire le lien avec la base, avec les monuments aux morts, en fait, des communes. Donc, étant donné le coût qu'aurait représenté, soyons concrets aussi, à cette indexation, hein, pour l'administration, et aussi parce qu'il nous paraissait important que les internautes s'approprient encore un peu plus cette base, et c'était aussi la philosophie, cette appropriation individuelle de l'histoire, il a été fait donc ce choix de proposer l'indexation collaborative. Et on s'est dit aussi que ça serait d'autant plus aisé parce que finalement, contrairement à d'autres sites d'archives, notamment je pense à l'indexation des registres d'état civil ou des registres de recensement de la population, où il y avait un peu ce besoin d'attribuer des lots d'images à des internautes, et donc ce besoin de faire que l'internaute s'engage sur un certain nombre de pages. Nous, on n'allait pas attribuer une lettre à un internaute et puis l'autre lettre à un autre, mais au contraire, on laissait totale liberté aux internautes d'indexer les fiches qu'ils souhaitaient. Et nous sommes allés jusqu'à aussi penser que finalement, étant donné la difficulté parfois qui pouvait se prêter sur la lecture d'informations manuscrites, eh bien, aucun champ n'était obligatoire, que finalement nous préférions des informations correctement saisies qu'à une exhaustivité, mais dont la qualité pourrait être contestable. Et par ailleurs, devant aussi la petitesse, hein, de l'équipe qui gère Mémoire des Hommes, concrètement c'est un webmestre à temps plein et moi-même en tant que chef de projet à mi-temps, il nous paraissait pas du tout envisageable de se dire que l'indexation collaborative doit être, avant d'être mise en ligne et diffusée, validée par les soins de l'administration. Mais qu'en revanche, on se donnait les moyens de le faire et de le valider au fil de l'eau, c'est ce que l'on fait. Mais dès qu'une indexation collaborative est posée sur une fiche par un internaute, elle est directement accessible. Alors, peut-être aussi qu'on pourra reparler de ce module d'indexation collaborative. En tout cas, nous, au bout d'un an d'existence, on ne regrette pas, c'est le dernier choix sur lequel je vais me pesantir, le fait d'avoir donner des outils pour faire une saisie au plus juste. J'entends, à chaque fois que cela a été possible, de demander aux internautes de choisir parmi des listes de références, hein, des noms de lieux, des listes de grades, des listes d'unités, de façon à faciliter la saisie, la rendre plus rapide, mais aussi l'optimiser, la fiabiliser. Merci Sandrine pour cette présentation qui montre bien que Mémoire des Hommes est vraiment au cœur des commémorations, particulièrement donc du centenaire de la Première Guerre mondiale. C'est un site incontournable pour qui fait des recherches, ne serait-ce que sur un seul membre de sa famille. Justement, en parlant de l'indexation, donc, vous l'aviez dit, il y a des informations personnelles
nom, prénom, date, lieu de naissance, cause de la mort. Des fois, c'est simplement écrit maladie. Des fois, la maladie est expliquée. Donc, est-ce que vous avez eu donc, des contraintes juridiques, des relations avec la CNIL par rapport à cela, ou est-ce qu'au contraire, on vous a facilité le travail ? On n'a pas eu à proprement parler de soucis, mais aussi parce que le ministère de la Défense a tout simplement respecté la loi. Peut-être qu'il est intéressant historiquement de se souvenir de la loi d'archives du 3 janvier 1979, qui à l'époque, mentionnait que s'agissant d'informations médicales, celles-ci étaient librement communicables 150 ans à compter de la date de naissance de l'intéressé. Alors, quand bien même le premier conflit mondial était loin, lorsqu'en 2003, nous mettons en ligne ces fiches numérisées sur Internet, le compte n'y est pas pour environ 100 000 fiches qui, effectivement, comme vous venez de le souligner, Sophie, présentent des informations médicales. Donc, en fait, ces fiches vont être masquées s'agissant de l'information médicale. Et ce masque va être ôté en 2008 à l'occasion de la mise en la promulgation d'une nouvelle loi archive, la loi du 15 juillet 2008, parce que pour nous, elle présente les délais de communication sous un angle qui nous est très très utile, pas seulement à nous bien sûr, mais elle s'applique particulièrement à nous, puisque désormais, s'agissant d'informations médicales, le délai de libre communication est de 125 ans à compter de la date de naissance ou 25 ans à compter du décès. Pour le coup, la base des morts pour la France, par définition, fixe un délai très précis s'agissant du décès. C'est une information que nous maîtrisons. Et là, nous sommes largement, je dirais, au-delà. Donc, c'est sans aucun souci que nous pouvons nous permettre, je dirais, de diffuser plus largement ces données. S'agissant des données à caractère personnel, hein, données d'état civil, dès le début, hein, dès la création du site Mémoire des Hommes, ce site a fait l'objet d'un arrêté spécifique autorisé par la CNIL en tant que tel, nous permettant de diffuser des données à caractère personnel. La motivation est assez claire. Pour le ministère de la Défense, il s'agit de rendre hommage, finalement de façon virtuelle, à ce qui a déjà été fait dans toutes les communes à travers les monuments aux morts. Hein. Bien sûr, on est dans une autre dimension, puisqu'on est sur Internet, et la CNIL est très soucieuse, et d'ailleurs, depuis plusieurs années désormais, fait une différence entre la loi archive, le code du patrimoine, qui mentionne des délais de communication de ces documents, et la mise en ligne d'une part, et même l'indexation, donc le fait de pouvoir retrouver et d'interroger des informations particulières. Donc je dirais même que le but même du site internet Mémoire des Hommes fait que la CNIL nous autorise à diffuser et même indexer ces données à caractère personnel. Cela dit, très concrètement, en 2014, ça me fait penser d'ailleurs que j'ai complètement oublié dans ma présentation chronologique de vous parler de la mise en ligne de la base des fusillés, qui est bien sûr un point très très important, donc le 6 novembre 2014, donc pour répondre à la commande du président de la République qu'il fait un an plus tôt. Là, on passe dans une autre dimension, puisque nous allons mettre en ligne des données sensibles au sens de la CNIL et au sens de l'article 9 de la loi de 1978 relative à l'informatique et aux libertés, s'agissant donc d'infractions et de condamnations. Hein. Et donc, à cette occasion, et parce que nous mettons vraiment en ligne d'autres données, encore plus sensibles que des données concernant la vie privée, au sens de l'article 8 de cette même loi CNIL, nous faisons refondre en fait notre arrêté portant autorisation du site Mémoire des Hommes. Donc nous avons un nouvel arrêté depuis le 24 juillet 2014 qui mentionne explicitement que le site Mémoire des Hommes est autorisé à mettre en ligne
des données au sens des articles 8 et 9 de la loi CNIL, mais qu'il n'y a en revanche aucune indexation sur ces éléments, et en particulier sur l'article 9, ce qui d'ailleurs a pu créer quelques frustrations lorsque nous avons mis en ligne la base des fusillés, parce qu'effectivement, respectant la décision de la CNIL, il ne nous est pas autorisé d'interroger par exemple motif de condamnation la base des fusillés. Entre-temps, et pour être un peu plus précise sur ces aspects CNIL, la CNIL, dans une délibération du 12 avril 2012, avait donné une autorisation unique pour le traitement de données à caractère personnel s'agissant d'informations traitées et mises en ligne par les services d'archives, dont le service historique de la Défense, dont le ministère de la Défense. Effectivement, cette délibération rappelle ce que je vous indiquais, c'est que c'est une chose que la libre communication d'un document papier en salle de lecture, c'en est une autre que cette dimension de mise en ligne sur Internet, donc beaucoup plus facilement accessible, et c'en est une autre que d'indexer des informations particulières, des données sensibles, et donc de les rendre interrogeables. Et donc, il y a, je dirais, des délais qui vont crescendo, et pour ce qui nous intéresse, qui vont jusqu'à 120 ans. Et c'est en ça que, pour la base des fusillés encore, nous avons obtenu le 10 juillet 2014 une délibération spécifique qui autorisait Mémoire des Hommes à mettre en ligne ces informations qui, normalement, au titre de cette autorisation de 2012, leur est permis au bout de 120 ans après la clôture des documents. Donc, on y était encore pas tout à fait à 20 ans près. Voilà. Donc, pour revenir à cette autorisation CNIL de 2012, et peut-être pour prendre un exemple qui vous est plus familier, s'agissant des registres des actes de naissance, par exemple, des registres d'état civil, ce sont des documents qui sont communicables en salle 75 ans à compter de la clôture du document. Mais sur Internet, il s'agit de masquer les mentions marginales. Ces mentions marginales sont librement diffusables sur Internet au bout de 100 ans et elles sont indexables librement au bout de 120 ans. En 2013, la CNIL avait fait une première dérogation pour la mise en ligne en fait, des registres matricules des quelques 8 millions de soldats qui ont participé à la Première Guerre mondiale, donc les classes 1887 à 1921, et pour les dernières classes, on n'y était pas encore, de ce délai de 120 ans, mais la CNIL considérant que le centenaire de la Première Guerre mondiale allait au-delà de la simple valorisation des documents auprès du public, et qu'on était bien dans une dimension, et c'est très important, pas simplement de meilleur accès au public, mais bien dans une dimension scientifique et historique. Justement, si vous me permettez comme ça de faire le lien, dimension scientifique et historique, tout à l'heure vous disiez que le but pour vous du site était de mettre ces données historiques à destination de tous. J'aimerais maintenant en profiter pour faire un petit tour de table des usages de chacun, puisqu'on a la chance d'avoir des profils complètement différents avec nous, et de voir un petit peu quels sont vos usages du site, et donc particulièrement pour tout ce qui concerne la base des morts pour la France. On va peut-être commencer par vous, Antoine Parent. Merci. Donc au niveau des usages, moi je suis enseignant chercheur, donc enfin en économie. Donc je suis prof de sciences économiques à Sciences Po Lyon, et mon domaine de recherche c'est la cliométrie. La cliométrie, c'est quand les économistes se mettent à vouloir faire de l'histoire. D'accord, donc ils utilisent des modèles et des techniques économétriques appliquées à des données historiques longues. Donc la base de données Mémoire des Hommes, elle est évidemment d'une richesse infinie, puisque même là on frise à quelque chose de très moderne, il s'agit de la problématique et de la question du big data. Et donc j'aurais des questions peut-être à vous poser là-dessus, parce que ça suggère, ça génère un type d'information qui est distinct de ce auquel on est habitué en statistiques, disons, standard ou traditionnelles. Des demandes à formuler là-dessus. Mais bon, déjà, sur la base Mémoire des Hommes, il est évident que quand vous avez 1 300 000 fiches, c'est quelque chose de fabuleux. Alors, moi, je vais vous raconter ma propre expérience, enfin, la mienne avec mes co-auteurs, sur ce sujet. On a fait un sujet, on a traité une question qui est celle de la disparité régionale des morts à partir de la base Mémoire des Hommes.
Alors ça, la base permet très facilement, enfin très facilement, oui, permet un accès facilité à ce genre de questions. On peut, moyennant une astuce, relativement très rapidement calculer le nombre de morts par département. Bien, alors je préserve les secrets de fabrication hein, par rapport à ça, qui nous a permis de publier sur ce sujet avant les autres, hein, bon, avec Jean-Pascal Guironnet et puis un autre co-auteur, qui est d'ailleurs un historien amateur. Voilà, donc là c'est possible. On a exploité les 1 300 000 données parce qu'on a une information directe sur les régions. On a les lieux de naissance, etc. Donc voilà, et on sait, c'est relativement facile à identifier, à faire de du comptage, technique de comptage. Bon. Néanmoins, quand on se pose évidemment d'autres questions que celles qui sont immédiatement exploitables par la base de données, ça devient beaucoup plus délicat parce que, comme vous l'avez dit, ces fiches, c'est pas des PDF, c'est des fichiers images, en fait. Et donc, pour exploiter une si forte quantité, si on n'a pas les outils adéquats, ça suppose un traitement manuel de ces données. Vous ne pouvez pas traiter manuellement, faute de logiciels adéquats. Donc là, je pense, Big Data, est-ce que par hasard, il serait possible de mettre à disposition des chercheurs, enfin, que peut-on imaginer comme collaboration entre universités, labos de recherche, etc., ministère de la Défense, pour de mise à disposition de logiciels qui permettent de décrypter des calligraphies, quoi. C'est écrit à la main pour reconnaître des caractères. D'accord. Et là, on pourrait compter très facilement. Je pense que, à ma connaissance, ça n'existe pas et ce serait quelque chose qui serait très utile. Parce que sur un autre sujet, sur un travail qui est en cours, et qui, bon, donc un autre sujet sur, cette fois, à partir des données délivrées aussi par la base Mémoire des Hommes, donc sur l'espérance de survie, au front. Bon. Donc, j'ai entrepris avec Olivier Guyot, qui est un économiste, un micro-économètre de l'Université de Lorraine. Donc, comment voulez-vous exploiter 1 300 000 fiches en n'ayant pas les logiciels appropriés? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un échantillon à partir de la base. Mais le traitement de l'échantillon, c'est quoi? C'est un traitement manuel. Donc, c'est monstrueux. Donc, on a voulu bien faire, on a été appliqué. On a utilisé l'ancienne méthode de l'INSEE, alors ne me demandez pas pourquoi pas la nouvelle, mais enfin, c'est-à-dire on a pris tous ceux qui étaient nés un première semaine d'octobre, d'accord, et qui sont morts au conflit, et on a traité tout ça. Donc ça fait, vous voyez, une semaine, il y a un échantillon au 1/52e, c'est quand même assez monstrueux, ça fait 25 000 noms, bon, il y a des cas, il a fallu retraiter tout ça, mais vous imaginez bien que c'est un travail de bénédictin et de romain, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, que de se taper 25 000 fiches, n'est-ce pas, avec des informations sur ce qui nous intéressait là, c'était l'ensemble des informations, et de voir quelles étaient la nature des facteurs individuels, des données individuelles qui pouvaient expliquer une mort plus ou moins précoce, parce que certains sont nés le premier jour du conflit, d'autres le dernier, etc. Donc voilà, donc là c'est un travail absolument titanesque qui est entrepris, parce qu'on ne dispose pas, parce que telles qu'elles sont présentées dans Mémoire des Hommes, ces fiches, c'est des images. Et donc, faute d'un logiciel voyez, à disposition permettant de scanner, de traiter massivement ces données, ben on est obligé de passer un temps fou à exploiter ces fiches propres. Alors, bon, sur un autre sujet que j'ai en cours, toujours par rapport, enfin, un petit peu connecté, mais ça va illustrer les liens justement avec les besoins individuels et les besoins plus collectifs de la recherche. J'appartiens à un laboratoire qui s'appelle Laboratoire d'économie des transports. À Lyon 2. Donc, évidemment, je me suis intéressé à ces questions de Première Guerre mondiale en relation avec le réseau existant en 1914 sur la réalité de ce réseau et comment il a été exploité en réalité pour la mobilisation des troupes. Et donc, la question, c'est, la problématique que l'on a, c'est est-ce qu'il y avait une rationalité économique derrière le plan 17 de Joffre. Autrement dit, a-t-il exploité optimalement le réseau ferré existant à l'époque? Bon, alors, vous allez me dire, c'est une problématique qui est connexe un petit peu de Mémoire des Hommes, mais pas complètement, parce que ça va illustrer une exploitation. La question, c'est celle des régiments. Comment a-t-on affecté? Vous voyez, c'est un problème qu'on va appeler de recherche opérationnelle. C'est comment allouer optimalement un transport de troupes. Alors, c'est le problème. La recherche opérationnelle, c'est né d'abord des questions de transport de marchandises. Comment allouer des marchandises, mais enfin, là, je veux dire, pendant la guerre de 14, oui, la parabole est facile, hein, je veux dire, c'était de la chair à canon, donc voilà. Comment transporter des troupes d'un point à un autre? Voilà, il y a plusieurs origines et il y a un lieu d'affectation qui est restreint. Donc, c'était ce genre de questions. Alors, l'information, il faut l'avoir à un niveau le plus détaillé possible. Le plus détaillé possible, c'est le régiment, optimalement, mais évidemment, il y a énormément de régiments. Et a-t-on l'information? Et cette information est-elle publique? Alors, j'ai trouvé sur le site
Alors, c'est extraordinaire, j'ai dialogué avec lui, quelqu'un qui a retracé les lieux d'affectation des régiments et où ils ont été envoyés sur le front. Donc on a une information, on a un suivi. Alors c'est pas la base Mémoire des Hommes, mais c'est quelqu'un de particulier qui peut-être a exploité des données issues de Mémoire des Hommes, j'en sais rien. Alors, donc c'est formidable, mais alors vous voyez, la question c'est d'où ça vient et qui est cette personne. Alors, en plus, cette personne répondait à un pseudo. Donc, j'étais embarqué dans une bien drôle d'histoire, vous voyez, pour savoir exactement quelles étaient les sources exploitées, si on pouvait se fier là-dessus, etc. Voilà. Parce qu'un passionné, un particulier, qui préfère, masquer son identité, enfin, seuls les initiés sans doute le connaissent, moi je ne le connais pas en tout cas, met en ligne des données qui sont extrêmement riches, mais se pose la question du contrôle. Est-ce qu'on peut faire confiance à un passionné, aussi érudit soit-il, aussi compétent soit-il. Voilà, donc se pose la question du contrôle de la chose. Donc pour ce type de travail, vous voyez, la question de la mise en ligne pour des besoins, pour satisfaire les besoins des particuliers, leur passion, parce que c'est un sujet qui est passionnant, la guerre de 14, bon, c'est une chose, mais son exploitation à grande échelle, selon des critères de scientificité, ça pose des problèmes. Il y a la question de la transparence. D'accord, c'est extrêmement important. Alors là, je ne sais pas comment y accéder, il faut parfaire les bases. Alors, pour vous donner un exemple, comme on est obligé sur cette question de le plan Joffre, a-t-il obéi à une logique économique, c'est-à-dire a-t-il utilisé optimalement, selon des purs critères de distance, d'accord, le réseau ferré existant. Bon, comment on peut difficilement, vous voyez, parce qu'on va nous demander toujours nos sources, quelles sont vos sources. Quand il s'agit de sources sur le net, uniquement, mise en ligne par quelqu'un qui est manifestement très compétent et qui est en plus très réactif, ce qui n'est pas toujours le cas, donc qui explique bien les choses. Alors, comment utiliser ça? Donc, évidemment, il y a fortement une réticence, et donc ça nous a amené à quoi faire? À n'utiliser que des données publiques, connues de tous, c'est-à-dire, et pas difficiles, enfin, si je puis dire, c'est-à-dire, on sait qu'il y a 20 régions militaires sur le territoire français, métropolitain, donc il y a 20 points de départ, et à l'arrivée, il y a 5 armées, d'accord? Il y a un front qui est limité. Donc, comment allouer optimalement? Vous voyez, je vous donne un exemple, hein, pour vous dire les... Donc, la question est donc celle-ci. Il y a bien plus de 20 régiments. Il y en a, je sais pas, on s'est intéressé à l'infanterie, il y en a pas loin de 500, peut-être même plus, je ne sais pas. Donc, nous, on a pris 20 régions d'origine. On sait qu'elles sont cantonnées dans les préfectures, dans les lieux les plus importants. Bon, ensuite, voilà, il y a 5 points d'arrivée. Donc, on a simplifié le problème, bien évidemment. On l'a simplifié, mais en utilisant quoi? Les seules données publiques, c'est-à-dire largement vérifiées. D'accord? Parce que c'était beaucoup trop délicat et on se serait fait de toute manière retoquer sur l'origine des sources, elles sont-elles fiables, etc. Et donc c'est très dommage. Donc sur les questions du web, etc., et de comment. Je crois que c'est très important parce qu'il y a un travail formidable qui a été fait sur ces questions, la localisation des régiments, où est-ce qu'ils ont été, etc. Mais voilà, il faut qu'il y ait, je veux dire, un coup de pouce ou un soutien du ministère de la Défense, par exemple, pour corroborer la chose. Donc voilà ce que je vois. Bon, sinon. Dernière chose que je vais dire, ces thèmes qui me sont chers, donc sur la guerre, je vais les soutenir et les défendre. J'ai la chance d'organiser une session au Congrès d'histoire économique, au Congrès mondial d'histoire économique qui se tient à Kyoto cette année. Donc ces thèmes-là, je vais les présenter. J'organise une session sur cliométrie des grands conflits mondiaux. Donc voilà. Voilà. Donc il sera question de mémoire des hommes. Voilà, au Japon. Au Japon. Internationalisation du site, s'il en avait encore besoin. Merci Antoine Parent pour votre exemple qui montre que vraiment, on peut énormément travailler à partir de sites, exploiter énormément de données. Par contre, effectivement, se pose le problème de l'échange des données, et ça, on reviendra dessus à la fin de la table ronde. Je voudrais continuer un petit peu ce parcours des utilisations des uns des autres. Donc là, on a vu qu'on pouvait tomber dans du très très spécifique, néanmoins passionnant. Guillaume, quel est ton usage en tant que généalogiste et ou journaliste? Alors moi je suis surtout là comme observateur d'une catégorie d'utilisateurs qui je crois représente une grande partie des utilisateurs de Mémoire des Hommes. Ce sont les chercheurs à titre personnel qu'on peut aussi regrouper sous la catégorie des généalogistes puisqu'ils s'intéressent à leur histoire familiale. C'est vrai que je souriais un petit peu en écoutant les propos d'Antoine Parent parce qu'il nous a décrit une utilisation très rigoureuse, très scientifique, très sourcée du site Mémoire des Hommes.
Et nous, les généalogistes, j'aime bien se regrouper sous ce nom-là quand même, on a une utilisation qui est complètement empirique, désordonnée, ça part dans tous les sens, on explore tous les champs en même temps, on part de choses évidentes, c'est-à-dire qu'on tape un nom, un patronyme dans un champ d'un moteur de recherche, et puis après on rebondit sur une autre information. Enfin, c'est quelque chose qui foisonne. C'est une utilisation qui part, on peut le dire vraiment, dans tous les sens. Mais en même temps, cette utilisation, elle est tellement massive, et je pense que ça serait une question intéressante à poser à Sandrine tout à l'heure, comment se définissent et quels sont les chiffres qu'on peut avoir sur la fréquentation de mémoire des hommes, et est-ce qu'on peut quantifier un petit peu les utilisateurs, les classifier. Mais je pense qu'en tout cas, l'utilisation des généalogistes, elle est massive et elle demande qu'à être, vous le disiez tout à l'heure, Antoine Parent, vous aviez un interlocuteur qui était anonyme, c'est peut-être un généalogiste, j'en sais rien, c'est surtout quelqu'un qui apparemment est très passionné par l'histoire des régiments et le suivi des parcours de guerre de ces unités militaires. Mais en tout cas, on peut imaginer des tas de réutilisations possibles des informations qui ont été glanées de manière un peu désordonnée, certes, mais glanées quand même à grande, grande échelle par les généalogistes. Donc ça, c'est une utilisation qui mérite d'être qui mérite d'être partagée, qui mérite d'être mieux connue aussi. Et souvent, on remarque que ces utilisateurs-là sont un peu timides par rapport à leur découverte, par rapport à la qualité de leur travail, et finalement publient peu le résultat de leur recherche, de leur trouvaille, à part sur des sites internet qui sont dans le fond peu accessibles à la recherche historique. Je pense soit à des sites internet personnels ou un blog où la personne va raconter en écrivant le récit de ses recherches, donc va raconter ses trouvailles, ou aussi par exemple, et ça c'est encore plus compliqué à utiliser, en publiant le résultat de ses recherches dans un arbre généalogique publié en ligne sur un portail comme Généanet, comme généalogie.com, comme MyHeritage, comme Ancestry, comme il en existe beaucoup. Voilà. Donc c'est ça toute la difficulté, c'est tout l'intérêt d'une recherche faite par des généalogistes, et toute la difficulté consiste à la partager, à mieux la connaître et, dans le fond, à mieux la diffuser. Merci, Guillaume. Justement, parmi ces exemples d'exploitation, celui que l'on va vous présenter maintenant, tout le monde s'y est mis, du simple particulier qui va faire l'affiche, s'occuper de l'affiche de son ancêtre poilu, au généalogiste qui commence par son aïeul, son oncle, son grand-oncle, et qui se prend au jeu, qui va ensuite faire... indexer le monument aux morts de sa commune et ensuite continuer au canton, je pense, et puis ensuite au département, et là je pense à Fred Cousset et les poilus de la Vienne, ou au canton de Vouillé également. Donc c'est Jean-Michel Gillot avec son projet d'indexation Un jour, un poilu. Oui, alors je voudrais d'abord préciser les choses. Je ne suis pas à l'origine du projet d'indexation, c'est naturellement le ministère de la Défense à travers Mémoire des Hommes qui a lancé cette initiative en novembre 2013. J'ai lancé dans la foulée un projet qui visait, quant à lui, à fédérer le public le plus large possible autour de ce projet. Voilà. J'ai nommé ce projet « Un jour, un poilu ». Il s'agit d'une forme de défi collaboratif. Voilà. Nous avons 1 300 000 fiches manuscrites sur Mémoire des Hommes, donc des soldats morts pour la France durant la Première Guerre mondiale. Nous disposons du temps du conflit 4 ans d'ici au 11 novembre 2018. Nous disposons d'à peu près 1563 jours, 1561, ça dépend des calculs. Et donc le calcul était simple, si nous étions 800 seulement à travers le monde à indexer, transcrire une fiche manuscrite d'un poilu mort pour la France chaque jour, eh bien, la base serait entièrement transcrite pour les commémorations de l'armistice le 11 novembre 2018. Voilà. Donc c'était le principe qui a été à l'origine de ce projet. Donc évidemment, alors, ce projet s'est décliné en premier lieu sur le Twitter. Il se déclinera également sur d'autres réseaux sociaux tels que Facebook, dans l'idée de toujours la même chose, d'évangéliser un peu autour de ce projet d'indexation.
Donc, alors, je, comment dire, ce compte Twitter, aujourd'hui réunit à peu près 2000 abonnés et environ 100 participants actifs au projet d'indexation, centaines, qui indexent chaque jour une fiche, voire davantage. Alors naturellement, c'est une moyenne, on peut en indexer 7 par semaine ou 30 par mois. Voilà, c'est en tout cas le principe. Au niveau des... Comment dire, alors, l'objectif premier, c'était aussi, ce n'est pas seulement un objectif mémoriel, c'est d'arriver le plus rapidement possible à obtenir donc l'indexation de la base complète, et donc de fournir un outil, un instrument pour les historiens, mais aussi les généalogistes, un instrument qui permette d'effectuer toutes sortes de recoupements statistiques autour de cette base. On s'aperçoit par exemple que des chiffres on ne sait pas par exemple exactement combien de soldats sont morts le 22 août 14, combien de soldats sont morts le 25 septembre 1915, qui ont été parmi les plus meurtriers de la Grande Guerre. On est incapable aujourd'hui d'estimer à 5 000 ou 10 000 près le nombre des soldats. Donc les chiffres les plus fantaisistes circulent, sont repris en croyant qu'ils sont sourcés alors qu'ils ne le sont pas. Voilà, donc c'est juste un exemple. Voilà. Donc il y a une problématique, je dirais, d'approfondissement de notre connaissance détaillée des victimes de ce conflit, que va permettre donc la base mémoire des hommes. C'est pour ça que j'ai eu envie de mener ce projet pour accélérer ce processus et fédérer les gens autour de cet objectif. Le deuxième aspect, naturellement, c'est qu'il est aussi mémoriel, de fait, hein, puisque je rends hommage chaque jour, et les internautes le font également à travers leur propre compte Twitter, hein, puisqu'on a un moyen de se réunir qui est ce qu'on appelle un hashtag, qui est un sigle de reconnaissance, #1J1P. Donc les internautes le font eux-mêmes de leur côté, lorsqu'ils indexent un poilu ou, je dirais, un lot, ça peut être des poilus d'un monument aux morts, d'un village, d'un canton, etc. etc. Donc ça représente aussi quotidiennement une forme d'hommage au-delà donc des commémorations officielles ou des commémorations... voilà, il y a eu par exemple deux grandes dates, hein, naturellement, les plus proches de nous, c'est la commémoration de l'entrée en guerre, le 2 août, et puis le 11 novembre dernier, voilà, qui ont été deux dates particulières. Donc, à ces moments-là, naturellement, il y a une grande médiatisation, je dirais, qui s'opère. Et comme par hasard, il y a beaucoup de nouveaux indexeurs qui arrivent également, qui sont arrivés à ces deux moments clés. Voilà. Donc, mon idée, c'était aussi d'inscrire cette pratique commémorative, je dirais, dans le quotidien. Un jour un poilu, c'est tous les jours. Voilà, c'est pas seulement le 11 novembre ou le 2 août. Voilà, d'inscrire cela dans la durée. Alors, donc je m'adresse, comme il y a ces deux, comment dire, le public, l'audience d'un jour un poilu est extrêmement large. Il y a beaucoup d'historiens, il y a beaucoup d'archivistes, il y a aussi des généalogistes, naturellement, des historiens de l'histoire militaire en particulier, qui sont très souvent très très actifs au niveau indexation également. Et puis, il faut le souligner aussi, je dirais vraiment un public extrêmement large, qui est peut-être plus intéressé par l'aspect commémoratif, mémoriel, qui soutient le projet sans parfois indexer, mais qui soutient de manière très active et quotidienne le projet. Voilà. Pour résumer, il s'agit globalement d'une sorte de dispositif, je dirais, de médiation par rapport à la base de données mémoire des hommes. Le but, c'est d'amener les gens effectivement à indexer ou à faire connaître le programme, tout simplement.
évidemment, nous sommes liés, très liés à ce projet d'indexation à la base. Et donc, je souhaite que le projet demeure dans cet esprit. Alors moi, j'avais une question à vous poser par rapport à ça. C'est est-ce que vous avez fait le calcul avec 100 personnes qui indexent régulièrement? Aujourd'hui, vos prévisions vous emmènent à quelle date pour la fin de la période d'indexation? Alors, je ne me pose pas la question en ces termes, puisque j'ai défini un objectif qui peut paraître ambitieux alors qu'il est, qui est donc le 11 novembre 2018. Donc, je me pose plutôt la question, combien nous avons d'indexations jour en moyenne, puisque je publie sur un joint un poilu, toutes les semaines, un baromètre, donc des indexations réalisées, pour savoir où on en est par rapport à l'objectif. Donc, à l'heure actuelle, d'après mes estimations, parce que ça fera partie des demandes que j'aurai auprès de Sandrine Auffray, c'est d'avoir des statistiques sur l'évolution des indexations beaucoup plus fréquentes. Voilà. Parce que c'est important de se positionner pour savoir où on en est par rapport à l'objectif. Donc, on en est à peu près à la moitié de l'objectif, de toute façon, en termes d'indexation jour. Voilà. Donc, grosso modo, ça veut dire qu'il faut à peu près qu'on soit 880, qu'il y ait 880 fiches indexées chaque jour, et on en est à peu près à 400 à l'heure actuelle, en moyenne, je lis sur... Voilà où on en est. Alors, quand on a 100 personnes qui indexent une fiche chaque jour, voire davantage, ça représente d'emblée de 25 à 30% des indexations jour. Voilà. C'est un calcul. Alors après, vous dire exactement, ça peut être un peu plus, un peu moins, mais on est à peu près... Donc c'est... Et on s'aperçoit aussi qu'il y a peu d'internautes qui indexent beaucoup de soldats, beaucoup de fiches. Donc je dirais qu'il y a ça peut être un levier considérable. Ce sont, de toute façon, sur Twitter, c'est vrai que ce sont des indexeurs particulièrement actifs. Juste avant que vous posiez votre question, dans la salle, j'aimerais savoir, est-ce que vous connaissiez ce programme d'indexation un jour un poilu? Oui, je parle du programme plus de ton terme. Et est-ce que vous l'avez fait au moins une fois? Donc, tous ceux qui ne lèvent pas la main, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Antoine. On passera aux questions d'ici à midi, midi et quart, et puis vous pourrez le faire après, on va continuer. Puisqu'on parle d'indexation, qui est la fiche Mort pour la France, là, donc on voit tous les éléments qui sont renseignés, donc c'est des données individuelles, certaines qui peuvent être extrapolées en termes sociologiques, disons, mais un grand absent dans ces fiches, c'est la profession du soldat. Alors je sais bien que la profession, ils peuvent évoluer au cours du temps, ils n'ont pas nécessairement la même. Je crois que c'est dans le livret militaire. Donc c'est une question. On parle d'indexation. Serait-il possible? Est-ce qu'il y aurait moyen, je parle d'un monde idéal, cher aux économistes, est-ce qu'il y aurait moyen d'indexer sur les fiches Mort pour la France, les livrets militaires des personnes? Est-ce qu'ils sont renseignés quelque part pour qu'on puisse avoir cette information supplémentaire qui est clé? Ça, vous pouvez l'avoir avec le Grand Mémorial. Voilà, parce que vous avez évoqué ça tout à l'heure. Voilà. Donc on peut l'avoir. Voilà, le Grand Mémorial, en fait, va rechercher toutes les informations d'indexation qui sont disponibles sur les sites d'archives. Il n'a pas encore actuellement tout récolté, parce que c'est un gros travail. Mais si les archives ont mis en ligne les fiches matricules, si ces fiches matricules ont été indexées, donc déjà vous avez deux grossis, effectivement, vous pouvez faire une recherche sur le Grand Mémorial à partir d'un nom. Il va vous afficher ce qu'il va trouver. Soit la fiche mémoire des hommes a été indexée, soit la fiche matricule, et ou les deux. Sandrine, si un complément c'est peut-être. C'est exactement ça. Alors après, effectivement, les documents d'archives sont les documents d'archives. Donc ici, il n'y a pas la profession, puisque, comme je le rappelais dans mon propos, hein, le but de ces fiches... Oui, voilà. Donc il y aura des possibilités de recoupement, mais il s'agira pour vous de faire des recoupements. Et ça renvoie à une question plus difficile, c'est vous parlez de livret militaire, mais en fait ce sont les registres matricules qui sont évidemment conservés dans les services d'archives départementales, et ça renvoie à la politique d'archives de chaque département. Et vous avez en France, je crois qu'il y a à peu près 70 départements, ou même un peu plus, 75
qui ont fini de publier ces fameuses fiches matricules. Il y en a même pas la moitié qui ont commencé à les indexer. Alors certains les ont fait indexer par des prestataires professionnels et d'autres les ont ouverts, comme Mémoire des Hommes, à l'indexation collaborative, de manière à permettre à chacun de déposer, à la lecture d'une fiche, de déposer les éléments dans une base de données. Mais ça, évidemment, ça renvoie à la politique de chaque département. Alors, pour répondre à votre question, évidemment, il y a la profession qui est indiquée dans la fiche matricule. Oui. Donc, je pense qu'on peut passer à la question suivante. Et un jour un poilu le montre bien, comme l'indiquait Jean-Michel. Un jour un poilu, ça va être le particulier qui va indexer une fiche, ça va être le généalogiste, ça va être l'historien qui va aussi s'y intéresser. Donc, tout le monde est intéressé et a un intérêt dans Mémoire des Hommes. On l'a vu également avec vous, Antoine Parent, puisque là, vous faites des études très précises. Donc moi, ce que je retiens, c'est qu'on a tous à retirer quelque chose du travail des uns des autres. Par contre, ce que je retiens aussi, et ça, c'est un questionnement de Jean-Michel et Antoine, vous l'avez posé aussi, c'est comment pouvoir exploiter au mieux et facilement, puisque Mémoire des Hommes donc, est visitée par beaucoup de particuliers qui ne vont pas forcément manipuler très aisément des bases de données très, très complexes. Donc comment pouvoir exploiter en retour toute cette mine d'informations qu'est Mémoire des Hommes, et comment pouvoir travailler, s'enrichir les uns des autres du travail qui est fait, puisqu'on a tous à gagner, un généalogiste a gagné du travail d'un historien, et réciproquement, je pense. Sandrine, peut-être, pour commencer ? Oui, écoutez, en tout cas, je dirais que s'agissant des usages, tout a été dit précédemment. Nous n'avons pas mené d'enquête récemment, donc quant au public de Mémoire des Hommes, je serais bien en peine de vous dire des choses très précisément. En tout cas, ce qu'on peut cibler de notre public, c'est plutôt effectivement à deux tiers un généalogiste. Amateur qui a plutôt 50-55 ans, mais effectivement, comme les autres intervenants l'ont dit, nous avons clairement aussi un public d'historiens et d'historiens aussi d'histoire militaire, hein, de passionnés d'histoire militaire. Je crois que ce sont vraiment les trois grands publics que l'on peut définir. Alors, comme il a été dit également, certains ont un usage ponctuel de la base des morts pour la France, d'autres un usage massif. Donc, effectivement, entre les deux, comment faire ? Comme vous l'avez dit, là encore, la question de la finesse de l'indexation de cette base donc se construit, hein, au fur et à mesure à travers l'indexation collaborative. Et en l'occurrence, pour le ministère de la Défense, le choix de faire de la reconnaissance optique de caractère, hein, puisque c'est ça que vous évoquiez en préambule dans votre propos, n'a pas été choisi pour des raisons de faisabilité, hein, je dirais technique et financière. Il y a eu plusieurs essais dans les services d'archives de reconnaissance optique de caractère sur de l'écriture manuscrite. C'est pas chose si facile. Ça veut dire que ça donne des résultats, mais derrière, le travail de vérification est conséquent et fait qu'il faut aussi investir sur cette question. Ces fiches morts pour la France, on voit, elles ont été établies par plusieurs agents, hein. Donc ça n'est pas toujours la même écriture, même si on se trouve dans un cadre, je dirais, plutôt propice, dans la mesure où on est sur une fiche avec des champs pré-renseignés, donc c'est cadré. On n'est pas sur du littéraire stricto sensu. Donc l'utilisation massive se fera par les critères d'interrogation. Et c'est donc tout l'objet, en fait, de la seconde partie du formulaire de recherche, hein, qui se déplie une première partie concernant les critères saisie de façon exhaustive, et puis le reste issu de l'indexation collaborative. Avant la refonte de 2013, dans cette base, le nom était obligatoire. Donc, peut-être vous n'aviez pas fait les essais auparavant, mais auparavant,
cette utilisation que vous avez de la base, auparavant, elle n'était pas possible parce que le nom était obligatoire. Désormais, vous pouvez interroger un département, un pays ou tout autre critère. De même, et pour favoriser ces recherches de nature historique, nous avons souhaité que l'on puisse désormais interroger une date et même une plage de date de naissance ou de décès. Aujourd'hui, vous êtes en mesure d'interroger tous les morts pour la France de telle année, voire de tel jour, si ça vous chante, ou vous parliez de la première semaine d'octobre, c'est tout à fait possible. Ça n'était pas le cas avant novembre 2013. Donc, on a vraiment eu cette volonté et ce choix d'ouverture, justement pour favoriser les interrogations. Au prix, d'ailleurs, je dois dire, quand on voit les retours des internautes, de perdre un peu les internautes. C'est-à-dire qu'avec tant de critères de recherche, les internautes pensent parfois qu'il est obligatoire de renseigner ces critères, et plus ils sont précis, parfois, moins ils trouvent. Alors qu'effectivement, saisir un nom, lorsqu'il n'est pas trop commun, pas trop répandu, ça reste la solution la plus simple lorsqu'on veut faire une recherche de type nominatif. Voilà. Après, encore une fois, pour l'exploitation massive, il y a un cadre, là encore, réglementaire, et nous avons eu l'occasion, depuis 2011, en l'occurrence, de développer et de signer des licences de réutilisation de ces informations publiques, y compris avec des universités, dans le cadre de partenariats, pour une mise à disposition plus aisée des données. Mais d'informations exhaustives sur l'ensemble des champs qui sont en cours d'indexation, non, puisque c'est justement le travail en cours. Alors, peut-être quelques chiffres, si cela vous intéresse. Alors, les chiffres datent de hier soir. Hier soir, 22h, donc je pense qu'ils sont assez frais. Lorsqu'on regarde le nombre de personnes qui ont souhaité disposer d'un espace personnel, donc d'un compte avec un login et un mot de passe, qui est gratuit et qui est immédiat sur le site, 5500 internautes ont fait cette démarche. Sur ces 5500, 3000 ont demandé à participer à l'indexation collaborative. Ce qui, je trouve, est quand même un chiffre très, très intéressant et qui montre aussi l'engouement, en tout cas, pour ce programme. Si on regardait les annotations effectuées, le 10 avril, jusqu'à 22h, ce jour-là, hier, 232 annotations ont été effectuées par les internautes et 61 validées par le webmestre. Je pense que c'est assez révélateur de la proportion de ce qu'on arrive à faire, nous, du côté de l'administration. Depuis 30 jours, 11 266 annotations ont été réalisées. À ce jour, en fait, nous avons un peu plus de 166 000 indexations qui ont été réalisées. Elles comprennent les 47 600 qui ont déjà été effectuées depuis 10 ans en fait par notre webmestre et que l'on a intégré à l'occasion. Ça veut dire qu'aujourd'hui et depuis début mars, en fait, nous avons franchi la barre des 10% de base indexée. Même nous en sommes à un peu plus. Je dirais que de notre côté, lorsque nous avons lancé ce programme, et je crois que vous l'avez remarqué, Jean-Michel, sans grande pompe, sans grand renfort de communication, déjà parce qu'on coulait sous le travail tout simplement de la mise en ligne de cette refonte, et puis on souhaitait rester modeste et on ne savait pas. Si, comme vous, on peut espérer plus et que ça serait vraiment formidable que l'on tienne une indexation exhaustive pour le 11 novembre 2018. Nous sommes satisfaits de cette évolution. Alors, comme vous aussi, nous constatons des périodes qui sont plus favorables. Très clairement, l'année 2014 a été une très, très, très bonne année. Et là, nous sommes plutôt, y compris en chiffre de fréquentation, sur non pas une baisse, mais une moindre fréquentation. Avant la refonte, le site enregistrait en moyenne par jour 3300 visites. Les choses avaient déjà commencé d'augmenter en 2013, mais depuis la refonte, nous tournons à 6000 visites par jour, un peu moins en ce moment.
ce qui veut dire qu'on était à 190 000 visites par mois, avec 4 millions de pages vues, dont 2 millions sont des pages, des fichiers images hein, de sources numérisées. Donc, fiche mort pour la France essentiellement, mais aussi les journaux Démarche et Opération, hein, pour vous donner quelques grands chiffres. Et pour revenir aux annotateurs, alors, notre back-office, l'outil d'administration de notre site nous permettra d'ici 2 à 3 mois de disposer de chiffres, en fait, depuis l'origine, enfin, d'y accéder, hein, tout simplement, parce qu'ils sont là, les chiffres, de façon détaillée au jour le jour. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que on a dans notre administration, comme ça, le top des annotateurs et le top 50, en l'occurrence. Pour faire partie de ce top 50, il faut déjà avoir indexé 594 fiches, au moins, vous voyez, c'est quand même très, très valeureux. En tout cas, moi, ça ne cesse de recueillir notre satisfaction, et parce que ça veut dire quand même d'avoir indexé autant de fiches, c'est un temps conséquent, hein, même si on a souhaité faciliter l'indexation. Les 10 premiers, eux, enregistrent déjà 34 656 fiches annotées, hein, et les 10 suivants, 15 234. Voilà, ce qui me semble beaucoup, hein, et vous voyez sur total de 166 000, hein, les 50 premiers déjà à eux font beaucoup. Alors, je demandais justement au webmestre, en fait, quelles étaient ses appréciations, hein, ses annotateurs, avec quelle logique ils opèrent. Sachant que nous, toute logique est bonne à prendre, et y compris bien sûr votre initiative, Jean-Michel, et c'est l'occasion pour moi, au nom du ministère de la Défense, de vous remercier de cette initiative de médiation, comme vous l'avez appelée, parce que très clairement, je pense qu'elle favorise bien sûr cette indexation. Donc, certains indexent un régiment. Par exemple, le 77e RI, régiment d'infanterie, a été indexé. D'autres indexent les morts d'une commune ou d'un département. Certains indexent tous les noms de famille qui est le leur. Hein. Voilà, par exemple. Et puis, bien sûr, on va avoir cette logique. J'ai indexé mes ancêtres. Donc, on peut aller de une fiche pour un annotateur, un indexeur, à plus de 5000 fiches pour le premier indexeur. Donc je pense que les profils sont vraiment variés. Pour revenir sur l'exploitation de l'indexation, je crois qu'Antoine avait une question pour vous. Oui, j'ai une autre question. Donc mort pour la France, un travail extraordinaire qui est accompli, mais mort pour la France, ils sont tous morts à la guerre. Ma question, si vous entreprenez des travaux consonance un peu démographique, hein, d'économie démographique, est-ce qu'on a, ce serait bien d'avoir, vous voyez, derrière la tête, on a l'idée, on voudrait connaître une probabilité de décès. Ils ne sont pas tous morts. Donc, est-ce que vous avez renseigné quelque part et qu'exploité concernant tous les participants au conflit, tous ceux qui ont été enrôlés, qui ont participé au conflit, c'est dans quoi? Est-ce que c'est consultable? Voilà. En fait, on vous a déjà fait une première partie de votre réponse, et c'est toujours la même réponse, c'est le grand mémorial, c'est l'objectif du grand mémorial. Donc l'objectif est atteint déjà ou non ou pas? Non, encore, non, non, c'est novembre 1918. Le grand mémorial, qui est une initiative pour le coup du ministère de la Culture, hein, qui chapeaute le réseau des archives territoriales, départementales, communales, régionales et archives nationales. Donc c'est de fédérer dans une base nominative l'ensemble des soldats qui ont participé au conflit, qu'on estime à 8 millions. Et cette base de travail se fonde en fait sur les registres matricules, donc de l'ensemble des soldats qui ont été recrutés, mobilisés, et qui se trouve, comme le disait Guillaume, dans chaque département. Hein. Donc, registre matricule numérisé et progressivement indexé de façon nominative. Et effectivement, on aura à terme le delta entre ceux qui ont participé, ceux qui sont morts et qui sont déjà accessibles, et les autres, donc ceux qui ont eu la chance de survivre au conflit. Hein.
Voilà. Alors, j'ajoute aussi que effectivement, la notion de mort pour la France, il n'y a pas de forclusion pour cette mention pour tous les conflits, qu'on peut être militaire ou civil pour avoir cette mention, il faut être décédé du fait de la guerre. Donc, tuer au combat, mort de blessure, mort de maladie. Ça veut dire aussi parfois après le conflit. Ou être par exemple un civil qui est mort lors d'un bombardement. Hein. Voilà. Donc c'est une notion assez large et qui peut s'entendre au-delà du conflit. Et c'est la raison pour laquelle cette base des morts pour la France de la Première Guerre mondiale, nous la mettons encore tous les jours à jour. On peut se féliciter quand même du chiffre assez stable, hein, parce que depuis 10 ans, finalement, ce fichier, on y a ajouté environ 1000 noms qui n'étaient pas présents, de soldats qui avaient été omis pour une raison ou pour une autre, y compris parce que ce fichier papier, qui a été microfilmé dans les années 80 puis numérisé dans les années 2000, a cessé d'être entretenu par l'administration. Donc, en tout cas, c'est un chiffre très, très stable s'agissant des morts. Merci Sandrine. Très rapidement, avant de passer aux questions pour la salle, moi j'aurais une dernière question. Je crois qu'elle a été soulevée en fait par chacune de vos interventions. J'aurais aimé savoir si vous aviez des souhaits d'évolution du site. Et Sandrine peut-être y répondre si oui c'est possible ou quelles sont les évolutions qui sont prévues. Je crois qu'on a tous des désirs par rapport à nos besoins. Donc très rapidement, quels sont-ils ? On va peut-être commencer par Jean-Michel. Oui, alors quelques souhaits dont j'ai déjà fait part Sandrine Offray, mais le premier souhait, je crois, c'est d'avoir des statistiques. Alors là, je parle au nom des indexeurs, naturellement. Il faut pouvoir se positionner par rapport à l'objectif. Donc, c'est très important. Il serait très important de connaître les statistiques, savoir où on en est au niveau des indexations, du nombre de fiches indexées, et que ce soit en temps réel, finalement. Et pas, on peut communiquer régulièrement, mais c'est toujours mieux de le savoir jour après jour. C'est la première chose. La deuxième chose, je me situe toujours au niveau des indexeurs, mais aussi des utilisateurs généalogistes historiens, parce qu'aujourd'hui, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que les généalogistes deviennent de plus en plus historiens, et les historiens également, il y a un mouvement, on s'intéresse de plus en plus à l'homme. Voilà, donc pour dire que les frontières sont de moins en moins tranchées. Je vais quand même à le dire. Donc, il serait intéressant, pour pouvoir maintenant commencer à exploiter ces données, même sur des lots, de pouvoir effectuer des exports de données, éventuellement sur filtre. Voilà, ça fait partie des outils dont je pense qu'il serait extrêmement utile pour pouvoir commencer dès à présent à pouvoir exploiter un certain nombre de données. Par exemple, imaginons même un internaute qui indexe des soldats d'un même régiment, il aimerait sans doute à la fin pouvoir exporter l'ensemble des données dans un fichier Excel pour pouvoir, que ça valorise aussi son travail. Il se dit, je vais pouvoir leur exploiter aussi. Voilà. C'est-à-dire, on sait qu'aujourd'hui, on produit des données qui sont moissonnables par des institutions, par des portails, mais on aimerait bien qu'elles soient moissonnables aussi par le grand public, qui de plus en plus, en effet, exploite ces données de manière extrêmement sérieuse. Donc là, c'est, deux fonctionnalités qui me paraissent importantes. Merci Jean-Michel. Guillaume ? Oui, alors moi j'ai un autre rêve. C'est un rêve de généalogiste. Le généalogiste, il y a deux choses qui l'intéressent. La première, c'est évidemment de trouver la mention d'un de ses ancêtres comme combattant de la Première Guerre mondiale ou autre. Hein. Mais la deuxième, c'est de mettre un visage sur un nom. Et le visage sur le nom, on peut très bien imaginer, et j'en suis certain, que dans tous les régiments, depuis le premier conflit mondial, il y avait un photographe. Et le photographe, il prenait des images de groupes de soldats. On a plein d'exemples d'ailleurs, on les retrouve dans les archives, mais je ne sais pas exactement où elles sont d'ailleurs. Peut-être Sandrine pourra répondre à ça. Et surtout, moi, je rêverais de voir ces photos publiées sur Mémoire des Hommes avec une indexation collaborative de la photo. Vous savez, il y a des outils très pratiques qui existent. Vous avez une photo et chaque utilisateur peut sélectionner un visage sur la photo et indiquer le nom de la personne.
Et ça, c'est une utilisation parfaitement possible en généalogie. On le voit d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de gens qui publient sur les portails d'arbres généalogiques, qui publient des photos de famille, des photos de mariage, des photos de groupe, dans lesquelles on identifie chacun des personnages et on laisse le soin, on partage, et on laisse le soin aux autres d'identifier les autres participants. Tous ceux qui peuvent mettre un nom sur un visage sont invités à le mettre. Et donc, moi, j'imagine cette fonctionnalité-là sur Mémoire des Hommes. Alors, peut-être que je rêve parce que c'est trop compliqué à faire ou pas du tout dans l'ordre de priorité des choses. Mais en tout cas, je pose la question. Antoine ? Oui, alors, moi, je vais réitérer un peu ce que j'ai dit. Parce que là, on voit, là, il y a 13 indications pour 1 300 000 fiches. Donc, je crois qu'on quitte le domaine du fichier Excel. C'est-à-dire, on est vraiment, c'est un problème de méga données. Donc vraiment, ma requête, c'est est-ce qu'il serait, même si vous avez déjà fait des tentatives, c'est est-ce qu'il serait pas possible d'en refaire encore une autre pour savoir ce que coûterait l'exploitation d'un logiciel de lecture d'écriture manuscrite, parce que voilà. Et en même temps, en termes d'affichage par rapport au ministère, je pense que comme c'est la question des big data qui préoccupe beaucoup de... moi-même, je suis responsable d'une équipe qui s'appelle Cliométrie et Complexité. Ce sont des physiciens qui participent à ça. Les théories de la complexité se posent la question du big data. Vous seriez in the move complètement, si je puis dire, du point de vue du traitement des données, si vous vous posiez ce genre de questions et adoptiez ce genre d'approche, parce que ce serait... Voilà, quand vous avez profusion de données délivrées par ces fiches, si on pouvait avoir des éléments aptes de méthode par rapport à cette profusion de données, je crois que ce serait vraiment très intéressant pour les chercheurs. Bon, et puis sinon, il me reste à prendre mon mal en patience et attendre que toutes les indexations soient terminées, avec notamment les professions. Et autre chose, parce que je crois que ça doit figurer dans le livret militaire, la taille des individus. Elle y figure aussi. Parce vous avez une dans la fiche matricule, voilà. Hein, pas le livret militaire, la fiche matricule que vous trouvez sur les sites des archives départementales, vous avez une description physique de la taille. Alors après, au niveau couleur des yeux, des cheveux, forme du visage, c'est quand même assez subjectif. D'accord, non, parce qu'il y a toute une veine de travaux en cliométrie qui porte sur l'anthropométrie, sur la taille des individus comme un proxy du niveau de développement, etc. Et puis je sais qu'il y a des travaux, notamment en Allemagne, c'est une forte branche de la Clio comme ça. Basé sur l'anthropométrie, la taille comme indicateur de toutes sortes de choses, de l'alimentation, de la bonne nutrition, est-ce que y a pas, voilà quoi. Donc s'il y a cette information également qui peut être exploitable à partir des indexations, je pense que ça pourrait même être à l'origine du développement de travaux comparatifs avec l'Allemagne, ça a été évoqué précédemment, enfin voilà quoi. Ça a été évoqué hier effectivement. Voilà, et voilà tous mes voeux. Les travaux bilatéraux, oui. Je voulais juste ajouter une chose sur la reconnaissance optique de caractère. Je crois que pour l'instant, on en est depuis plusieurs années d'ailleurs, hein, à un point où il y a une efficacité qui est vraiment réelle pour tout ce qui est imprimé du 19e siècle, du 20e siècle, et dans une certaine mesure du 18e siècle. Mais vous savez comme moi qu'on utilisait déjà en imprimerie des caractères un peu différents, des J qui remplacent d'autres lettres. Mais alors, dès qu'il s'agit de l'écriture manuscrite, on est confronté à une difficulté qui est considérable, qui est liée à la graphie personnelle, qui est liée à l'utilisation d'un stylo comme celui-ci. Bah, ça écrit d'une certaine manière. Une plume, c'est complètement différent. Et après, ça renvoie à la paléographie. Et je crois que, pour l'instant, tous les essais pour arriver à des résultats cohérents et surtout pertinents en matière de dossiérisation. Je vous renvoie au site, par exemple, de Gallica, de la Bibliothèque nationale, où la plupart des notices sont quand même ossérisées. Mais si vous rentrez, par exemple, dans un journal ancien, de la presse ancienne, vous avez un taux de reconnaissance qui est déplorable. On tombe de 90% ou même 95% pour certains imprimés à seulement quelques pourcents. Et si vous faites un copier-coller d'une image qui a été OCRisée, d'une image texte, d'un texte qui a été OCRisé, et vous le collez dans Word, vous voyez tout de suite toutes les erreurs qui apparaissent. C'est illisible, vraiment illisible. Alors il y a quand même de grands espoirs, hein, ça va... Il y a des chercheurs qui se penchent là-dessus. C'est comme pour la médecine, voilà. Il y a des chercheurs qui se penchent là-dessus. Je pense notamment à un laboratoire américain qui arriverait, je mets ça au conditionnel, à des résultats beaucoup plus intéressants. Mais bon, ça reste au conditionnel, bien sûr. Ça reste à voir. Dans quelques années, alors. Oui ?
Oui, un dernier souhait. Donc, je vous engage. Comment dire, je vous engage plutôt à vous devenir ambassadeur du programme d'indexation pour que ça aille encore plus vite. Voilà. Parce que je pense qu'il y aura globalement de toute façon un taux d'erreur personnel bien moindre. Bien moindre. Vous avez une nouvelle recrue. Alors. Voilà. Mais je voulais juste, parce qu'on en est juste au moment des souhaits. Après, il sera peut-être trop tard. Donc je formule un souhait, moi, personnellement. On a pas peu parlé, on a un peu parlé du Grand Mémorial. Et c'est vrai que le Grand Mémorial, à terme, doit devenir collaboratif. Voilà. Donc, c'est un de mes souhaits qu'il le devienne le plus rapidement possible sur le modèle de Lives of WW1, le Grand Mémorial britannique, qui est un extraordinaire outil. Voilà. Donc, il faut regarder aussi ce qui se fait ailleurs. Et c'est une très belle réalisation. Voilà. Deuxième point. Je pense qu'il y aurait nécessité aujourd'hui, finalement, de réaliser un nouveau livre d'or des morts pour la France, compte tenu de toutes les erreurs qu'on peut relever sur les monuments aux morts, dans les nécropoles. Et pour cela, nous manquons encore de l'outil pour réaliser de manière scientifique, la plus scientifique possible, je dirais, l'identification des victimes, qui va au-delà du nom et du prénom, qui passe aussi par la filiation, etc., etc. Il nous faut un outil, et ça, pour l'instant, on n'en dispose pas, mais je crois que derrière, il faut surtout une volonté politique de dire, à l'occasion de ce centenaire, pour une bonne fois, identifions l'ensemble des morts du conflit de manière certaine et qu'il n'y ait plus d'erreurs, le moins d'erreurs possible, sur les monuments aux morts et dans les nécropoles, etc., etc. Voilà. Et je pense que c'est un moment clé, ce centenaire, pour lancer un tel projet, pour faire ce livre d'or, ce nouveau livre d'or des morts pour la France. Merci Jean-Michel. Pour en revenir aux évolutions, aux souhaits souhaités par rapport à Mémoire des Hommes, dans les évolutions prévues que vous avez dans vos dossiers, Sandrine, est-ce que vous pouvez répondre oui à une, deux, trois, tout ? Quand Jean-Michel a parlé, j'ai dit « ouf » intérieurement. Guillaume a parlé, j'ai fait « presque ouf ». Et là, quand on a parlé, j'ai dit « non ». Je ne dirais pas « ouf » surtout. S'agissant des statistiques périodiques, oui, c'est d'ores et déjà possible. Je suis aussi persuadée que c'est important. On a commencé dans ce pas de la communication, puisque depuis fin janvier, les internautes, lorsqu'ils se connectent à leur compte, ils voient le nombre d'annotations qu'ils ont réalisées. Peut-être que d'ailleurs, pour les inciter, on va bientôt, normalement c'est prévu, mettre du coup ce nombre, vous classe à tel rang. Voilà. Bon, on se posait la question d'un rang qui ne décourage pas non plus. Hein, parce que vous voyez, il y a quand même 3000 personnes qui ont demandé à participer à l'indexation collaborative. Voilà, en tout cas, publier des statistiques, nous le pouvons d'ores et déjà. Par exemple, dans la rubrique présentation, sous le chapitre indexation collaborative, c'est tout à fait possible et je retiens ce vœu. Par rapport à l'export, d'un export filtré, par exemple, sur les indexations réalisées par un internaute, figurez-vous, Jean-Michel, que moi... Dès le début, ça m'a semblé très important. Et en fait, on n'a jamais eu aucune demande formelle de cette nature. Et pour moi, ça me semblait important, effectivement, de pouvoir restituer ce travail aux gens pour qu'ils en aient une utilité qui leur est propre. D'autant que certains n'avaient pas attendu Mémoire des Hommes pour faire ce travail en fait, plus particulier sur un régiment, sur un territoire. Donc ça, c'est typiquement ce qui est inscrit au titre des évolutions au cours d'année 2015. Alors, je ne vais pas vous donner de date fixe parce que je crois savoir que vous êtes informaticien, que vous savez aussi comme moi que le développement, la livraison, la recette d'une application, ça n'est pas une histoire de jours et très précise. Mais en tout cas, j'espère que au moins avant septembre, ça sera le cas. Je précise quand même, et vous le savez, que lorsqu'on fait une recherche à travers le formulaire avec des critères plus ou moins précis, on a une liste de résultats et que cette liste, d'ores et déjà, quand on la prend, on la sélectionne, on la copie dans un fichier Excel, ça marche.
mais j'entends bien qu'il s'agit d'un nombre de champs limité et non pas de l'ensemble des champs liés à une fiche. Mais en tout cas, il y a déjà cette première approche qui est tout à fait possible. En complément d'ailleurs de nos souhaits liés à la refonte, nous avons mis en place ce qu'on appelle des URL, donc des liens, hein, des adresses pérennes, permanentes pour ces fiches et pour ces images, de façon à ce que les internautes, les institutions puissent citer de façon fixe et donc permanente des liens, puissent reprendre ces liens vers les autres portails, hein, qui me semble important. La photo, je disais, c'était un demi-ouf parce qu'en fait, depuis le début, on y pense. Et pour tout vous dire, Guillaume, on a même déjà prévu dans notre répertoire d'images un répertoire qui est encore vide, qui s'appelle photo. Pour autant, je pense objectivement, hein, que ce n'est pas pour 2015 pour la Première Guerre mondiale, mais c'est pour 2015 pour la base OPEX. Parce que ce matériau, nous l'avons... Je ne sais pas si vous suivez l'actualité des théâtres d'opération de l'armée française, mais il existe un portail, hein, du site du ministère de la Défense, défense.gouv.fr, qui, à chaque militaire malheureusement tombé, publie une nécrologie avec sa photo. Donc, en fait, techniquement, les choses sont possibles et pour nous faciles, parce que récupérables, parce que informations à notre disposition. Sur lesquels nous maîtrisons aussi toute la question des droits de propriété intellectuelle. Ce qui nous a jamais fait venir sur ce terrain-là, parce que c'est une excellente idée, hein, c'est, comme je vous le disais, la masse de travail qu'on avait à mener, mais aussi parce que derrière, on n'a pas de fonds photo identifié comme ça, magique et d'ores et déjà numérisé. Et effectivement, s'il en était besoin, je vous confirme que la numérisation, au-delà du coût financier, qui est quand même important. C'est une opération de préparation des documents, de description des documents, qui est très chronophage pour les archivistes et les services. Donc, ça n'est pas une opération magique. Hein. Un chiffre, hein, puisque ce sont les derniers chiffres en cours, pour la production de un peu plus de 120 000 fichiers images des dossiers des conseils de guerre pour les fusillés de la Première Guerre mondiale, que donc nous avons externalisé auprès d'une entreprise dans le cadre d'un appel d'offres. C'est un coût d'un peu plus de 60 000 euros pour le ministère de la Défense, ce à quoi se rajoute l'embauche de 5 vacataires pour l'équivalent de 2 ans de travail, plus 25 000 euros pour des développements informatiques. Donc ça n'est pas rien. Et 120 000 images... C'est pas beaucoup, hein. Un carton d'archives peut contenir jusqu'à l'équivalent de 3000 fichiers images. Et quand on pense que le ministère de la Défense conserve 400 km linéaires d'archives, vous imaginez sur des rayons, si on se dit tout numérisé, mais c'est plus les budgets dont il faut parler. C'est d'un effort de guerre. C'est colossal, hein. Donc il faut savoir raison garder. Et c'est peut-être ce que j'aurais envie de vous dire, Antoine, c'est effectivement... l'a dit, hein, l'OCR pose des problèmes techniques et au-delà, ça a clairement un coût et ça serait mentir que de vous dire que c'est quelque chose que l'on prévoit pour 2015 et même 2016. Notre choix là-dedans, il a été clairement de prévoir l'indexation collaborative, de faire cet effort ensemble parce que derrière, effectivement, nos souhaits d'évolution, ça pourrait être dans un autre domaine technique qui est le système d'information géographique. Pourquoi pas arriver à présenter aux internautes les lieux de décès des soldats, les sépultures, on en a peu parlé, où sont-ils inhumés aujourd'hui dans les nécropoles nationales, puisque le site Mémoire des Hommes effectivement permet la consultation de la base des sépultures de guerre avec 660 000 noms, dont 550 000 concernent la Première Guerre mondiale. Voilà, c'est plutôt l'orientation technique qu'on pourrait se donner. Et puis surtout, c'est la mise en ligne de nouveaux fonds. Et notamment, la poursuite du programme de numérisation des registres contrôle de troupes qui sont conservés au service historique de la Défense, qui sont des registres qui commencent dès le XVIIIe siècle, qui s'achèvent au début du XXe siècle et qui sont très consultés par les internautes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes aux rencontres du web 14-18, c'est vrai que nous sommes dans le cadre du centenaire, la Première Guerre mondiale, mais le site Mémoire des Hommes, comme je vous le disais,
concerne l'ensemble des conflits contemporains et même des périodes plus anciennes. Et donc, à un moment, bah, il nous faut faire des choix. Et donc, voilà, honnêtement, ça n'est pas vers l'OCR que nous nous rendrons pour les années qui arrivent et pour cette base des morts pour la France. Voilà. En tout cas, favoriser l'export, favoriser la réutilisation, c'est notre souhait. Et je terminerai sur justement cette ouverture que nous avons donnée. Aujourd'hui, nos données sont moissonnables par le ministère de la Culture qui en a fait la demande pour permettre d'interroger la base des morts pour la France, y compris à travers le portail du Grand Mémorial, à terme à travers le portail national des archives. Donc, si vous voulez, ce mouvement vers l'extérieur d'exporter nos données et de les ouvrir, la refonte du portail Mémoire des Hommes l'avait envisagé. Merci Sandrine pour vos réponses. Donc, en conclusion de cette table ronde, donc, nous avons bien vu tous ensemble que effectivement, Mémoire des Hommes est un site incontournable des commémorations de la Première Guerre mondiale. Tout le monde y a un intérêt, que ce soit, je parle du particulier, du généalogiste, à l'historien, au statisticien, ou au statisticien de l'histoire, pourquoi pas. Tout le monde également a intérêt à travailler en commun, puisqu'on voit que le travail des uns est bénéfique aux autres, et inversement. Et je crois que c'est un travail qui s'inscrit sur le long cours. Donc, merci beaucoup à tous les quatre pour votre présentation. Donc, je vais maintenant laisser la parole à la salle si vous avez des questions. Donc, tout à l'heure, monsieur, vous aviez une question. Oui, tout à fait. Je suis 70 ans. Nous sommes un groupe d'une quinzaine d'amis. Bonjour. C'est très bien, vous avez partiellement répondu. Bon, notre problème que... Je dirais, nous harcelons nos enfants en nous disant, nous avons, en tant que généalogistes amateurs, ayant recherché pour des ancêtres, enfin nos grands-pères, sous les trois quarts, c'était les grands-parents qu'on a connus, donc on recherche des informations. On a récupéré en ce moment, puisqu'on hérite tous de malles, de caisses, d'objets, et notre problème, à ma génération, c'est qu'on ne sait pas qu'en faire pour les rediffuser. Et je vous en supplie, vous êtes tous des jeunes, vous parlez indexation. Indexation, ça ne nous dit rien. Mon fils me dit index. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire. Quand je vois annoter une page, je comprends. Et l'objet, c'est que mon fils m'a dit, va leur dire. Donc, j'ai mission de leur dire au nom de... Je crois qu'on est à un stade où notre génération, ma génération, avons des quantités de choses que nous pouvons retransmettre. Monsieur a parlé de photos. Il est certain que scanner une photo, on sait faire. Mettre tout à fait l'idée des noms, parce qu'on a des noms, soit visuellement. Mon grand-père, je connais le capitaine Marchand. Je ne sais pas qui était, mais je sais que le gars qui est sur la photo à côté de lui, c'est le capitaine Marchand. Voilà une information que je ne peux pas redistribuer. Si ça se trouve, alors j'ai cherché la famille Marchand. J'ai cherché, voyez-vous, en disant, est-ce que je ne pourrais pas un jour retrouver un gars qui, peut-être comme moi, cherche des informations sur son grand-père. Bon, mais voilà une information. Et je pense qu'aujourd'hui, on a toute une génération où on baisse les bras, on ne fouille plus, parce qu'on est dans un jargon. Vous avez employé beaucoup de mots que moi-même, pourtant, il y a un bail que j'utilise informatique, mais je suis complètement le hashtag et compagnie. Ça, ce n'est pas notre langage. Alors maintenant, voyez-vous, il faudrait que vraiment aujourd'hui, parce qu'on disparaît très vite en ce moment, finalement, les informations disparaissent. Et je crois qu'il faudrait essayer de voir pour, je ne sais pas, voyez-vous, employer des mots pour notre génération ou faire même des actions pour que notre génération, je dirais, on largue ou on mette les informations. C'est ça vraiment. Et je n'ai pas le sentiment. Ce sont les enfants qui me disent, tu peux trouver ça là. Et moi-même, avec mes amis, on fouillote, on ne trouve pas cette information. Bon, allez, mémoire des hommes, etc. On y va, on ramasse l'information, on complète nos fichiers, on complète. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses que vous avez dit dont j'ignorais totalement que je pouvais je pouvais annoter les pages. Bon, je sais bien que ça s'appelle indexation collective.
collaborative. Bon, voyez-vous, alors je crois que peut-être qu'il y aurait aujourd'hui une action qui permettrait peut-être de renseigner beaucoup de choses, qui me paraît importante, parce que c'est notre demande. On a ramassé, mais maintenant, on voudrait redistribuer. Alors pour redistribuer, pour trouver déjà, on en a parlé tout à l'heure, vous avez le site Grand Mémorial qui petit à petit va s'étoffer, où là, qui va vous renvoyer vers différents autres sites, qui va vous aider dans votre recherche. Par rapport à tous vos documents personnels, moi je pense également à la grande collecte qui a été lancée l'année dernière, tu m'arrêtes, et qu'il va y en avoir une nouvelle. Donc c'est lancé par les archives nationales, les archives départementales y collaborent. Il vous suffit de vous rendre à votre archive départementale. Je crois qu'il y a même des archives municipales qui se sont jointes au mouvement. Il y a aussi des archives municipales qui participent, oui. On ne peut pas donner d'autres renseignements que de donner... on ne peut pas mettre l'histoire... des choses... Si ce n'est pas... Oui, bon, j'ai des listes de copains de chambre de mon grand-père. Où puis-je mettre cette liste de copains? Il est probable que... Alors, pour ce qui est de la grande collecte, c'est le dépôt d'informations et de documents familiaux qui peuvent concerner la grande histoire. C'est-à-dire que la liste des copains de chambrée de votre grand-père, je pense que ce n'est pas vraiment de la grande histoire. C'est simplement de l'histoire familiale, personnelle, qui peut être partagée dans un autre cadre, qui est celui des portails de généalogie. Je ne voudrais pas faire de publicité pour les excellents portails de généalogie dont certains sont représentés ici dans la petite salle d'exposition qui est juste à côté. Mais sur ces portails de généalogie, vous pouvez déposer, scanner vous-même des photos, les déposer et les partager visibles par les milliers d'utilisateurs de ces sites. Et notamment indiquer à côté de la photo, indexer la photo avec les noms, le capitaine Marchand que vous avez cité, et en ouvrant cette possibilité à d'autres utilisateurs du site, qui sont les personnages présents sur cette photo. Oui, il faudrait dire aussi, tout à l'heure j'ai parlé du Grand Mémorial britannique, c'est un instrument extraordinaire parce que vous pouvez agréger toutes sortes de documents personnels, c'est vous qui définissez même la nature du document. Ça peut être la liste de chambrée qui peut être un élément extrêmement intéressant, en effet, qui n'intéresse pas forcément tout le monde, mais voilà. Donc, c'est pour ça que je disais que cet instrument-là est extrêmement intéressant parce qu'il est entièrement collaboratif, c'est-à-dire qu'on peut réellement mettre toutes sortes de documents, voilà, y compris bien sûr des archives officielles, publiques, voilà, photos, et puis des documents plus personnels. Vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a un obstacle parfois sur le vocabulaire, j'en suis tout à fait conscient. Alors, on a employé le mot indexation par facilité, si vous voulez. Moi, je suis évidemment conscient de cela, et j'essaye de dire transcription. Déjà, je pense que ça parle quand même de transcrire une fiche manuscrite de manière numérique. Je pense que bon, les gens comprennent à peu près de quoi ils retournent, plutôt qu'indexation, effectivement. Voilà. Mais ce n'est pas facile. Annotation, ça ne parle pas non plus forcément à tout le monde non plus. Alors, on a un petit obstacle de vocabulaire. Mais vous avez tout à fait raison, d'autant plus que... Enfin, je pense qu'un des obstacles à la communication autour de ce projet d'indexation, il est précisément lié au fait que les gens pensent que c'est très technique. Voilà. Et il ne faut pas oublier qu'un récent sondage, je crois que dans un récent sondage sur la généalogie, je crois que 85% des Français pensaient que la généalogie était difficile. Bon, ce sont des chiffres qui parlent et qui doivent nous sensibiliser à être encore plus concrets, parlants pour... tout le monde. Alors après, l'histoire du hashtag, ça, c'est uniquement pour ceux qui pratiquent Twitter. Bon, voilà. Hein, donc. Une autre question ? Une question par Twitter pour Sandrine Offray. Que sont devenues les fiches rouges ? Ils ne sont pas en ligne, apparemment. Alors, qu'est-ce que les fiches rouges ? C'est une fiche mémoire des hommes qui est écrite tout en rouge. Comme ça. Alors, donc, j'ai regardé Antonin Mondon. Il y a deux fiches sur le site, mais elles sont pas en ligne. Oui. Voilà la fiche rouge qui a été scannée par un internaute. Bon, je ne vois pas bien, mais je pense que il s'agit des fiches que nous avions créées de façon factice. Oui. Je pense que c'est ça. Donc, comme je vous le disais, nous étions
dans un environnement technique qui ne nous permettait pas de faire tout ce que nous souhaitions. Mais en tout cas, lorsque la base des morts pour la France est en ligne en 2003, et comme je vous le disais, nous étions avant la nouvelle loi archive de 2008 et il nous fallait donc masquer des informations de nature médicale, nous avions fait le choix aussi de dire que ce mémorial, il se devait d'être à jour en corrigeant sur la fiche les informations. Et donc, du coup, lorsqu'il y avait une information qui était erronée sur la fiche, par exemple un numéro matricule, une date de naissance, un lieu de décès, informatiquement, on rajoutait un masque et on écrivait l'information et elle se trouvait en rouge. Lorsque, dans le fichier général papier, hein, cartonné, il n'y avait pas de fiche, on avait en fait en support informatique une fiche cartonnée vierge et on renseignait dans notre base de données les informations qui apparaissaient en rouge sur cette fiche parce que c'était techniquement le moyen de diffuser les informations comme pour les autres noms. Je ne sais pas si j'ai été assez explicite. Enfin, voilà. Et lorsque, je dirais qu'en tant qu'archiviste, ça faisait un petit moment que cette question de corriger des documents d'archives ne nous convenait pas très bien. Donc la refonte du site a été l'occasion de se dire non, on ne masque plus les informations d'origine sur la fiche. Oui, nous sommes conscients qu'il y a des erreurs, mais on enlève ce système de masque. En revanche, on reporte les informations qu'on avait eu l'occasion de stocker qui avaient été corrigées sur la partie gauche de la fiche de façon à ce qu'on mentionne bien à l'internaute qui effectivement nous sommes conscients et nous avons repéré des erreurs sur la fiche, des éléments manuscrits reportés et que c'est plutôt telle information. Donc voilà, pour moi la fiche rouge que vous m'avez montrée, c'est ces fiches créées ex nihilo par nous, par un procédé technique qui nous permettait d'afficher des noms qui n'avaient pas de fiche papier dans le fichier d'origine. Donc les noms sont toujours dans la base, mais cette fiche graphiquement n'existe plus. Une autre question ? Non ? Oui ? Oui, Stéphane Protois du site Mémorial GeneWeb. Pour répondre à M. Demorand sur les photos individuelles de soldats que nous proposons aussi sur notre site, en fait, c'est un des éléments du site sur lequel nous avons très peu d'apports. Très peu d'apports, de l'ordre de 10 000 photos par an. Alors, 10 000, c'est effectivement beaucoup. Maintenant, quand on sait qu'il y a 1 300 000 morts, vous imaginez le nombre d'années qu'il va nous falloir pour arriver au bout. Et surtout, quand on sait que la guerre de 14-18 a fait de mémoire 600 000 veuves et 700 000 orphelins, vous comprenez bien que la moitié des soldats qui sont morts n'ont pas de descendants. C'est-à-dire qu'il n'y aura personne pour vous reconnaître un soldat sur une photo. Donc la partie photo individuelle, je pense, va être un gruyère avec des gros trous. Il reste quand même les orphelins, hein. Oui, mais les orphelins qui ne sont déjà d'ailleurs peut-être même plus de ce monde vont permettre de fournir à leurs descendants la description de leur ancêtre. Mais si l'ancêtre est un grand-oncle qui n'a pas eu d'enfant, je pense que vous n'aurez personne pour les retrouver. Et dans un mode de fonctionnement collaboratif où on demande aux gens de combler les trous, là vous aurez vraiment de gros trous. Nous, en tout cas, on a très très peu de photos individuelles rapportées au nombre de fiches que l'on gère, évidemment. Si je peux, je voudrais juste réagir à ce qui vient d'être dit, parce que ça, c'est un point, il me semble très important, qui introduit parfois un biais dans l'approche qu'on a de la Grande Guerre. Très souvent, on a l'approche par la descendance et par la mise en ligne de photos du grand-père, etc. etc. Il ne faut pas oublier qu'effectivement, autour de 3/5 des soldats qui sont morts à la guerre, et sans doute les 2/3 de ceux qui ont combattu, mais les 3/5 des morts à peu près, n'ont pas eu d'enfants parce qu'ils étaient trop jeunes pour ça. Ils n'étaient pas mariés, n'avaient pas d'enfants. Et donc, dans quelle mesure ça constitue un biais dans ce qu'on reconstruit ensuite, parce que les correspondances, les histoires de vie, l'indexation, etc., elle se fait, à mon sens, en priorité, à travers des démarches mémorielles de descendants. Et du coup, est-ce qu'on n'introduit pas un biais dans l'approche qu'on a de ces soldats pour lesquels, finalement, il y a toute une catégorie qui n'apparaît
pas qui n'apparaît pas, mais qui apparaît moins, qui sont ces soldats très jeunes, morts à la guerre sans descendance, dont on s'occupe moins, entre guillemets. Évidemment, il y aura des fiches indexées, annotées, etc. Il y a des carnets qui sortent ou des correspondances qui sortent avec leurs parents, par exemple, des choses vont sortir. Mais ceux qui n'avaient ni femme ni enfant, finalement, il y a une petite distorsion, à mon sens, dans la perception qu'on peut avoir de la Grande Guerre, parce que, de fait, ils sont moins pris en charge de façon mémorielle par, effectivement, hein, la masse des généalogistes qui remonte vers le passé. Je pense qu'au niveau de la généalogie, c'est vrai que l'intérêt, enfin, en dehors même du généalogisme, mais l'intérêt personnel humain, ça va être d'abord de s'intéresser à sa lignée directe. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Ensuite, moi, je le vois au travers notamment des blogs et des témoignages de généalogistes. Il y a quand même un intérêt ensuite qui va effectivement pour ce que l'on appelle donc les collatéraux, ça va être les cousins, les oncles, les arrière-grands-oncles, qui souvent quand même... ont gardé une trace dans la famille de cet enfant, peut-être unique, mais il y a quand même une transmission de cet oncle qui a été tué au combat. Alors, peut-être pas s'en occuper en priorité, certes, mais il y a un moment où quand même on va traiter son dossier, si je puis dire. Juste pour vous donner un exemple familial, j'ai trois grands-oncles qui sont morts à la guerre de 14, et c'était une famille nombreuse, hein, donc... tous les courriers de la mère annonçant le décès des soldats aux autres membres de la famille ont été conservés et ont fait l'objet de publications familiales. Donc, bien sûr qu'ils n'ont pas eu d'enfants parce qu'ils sont morts à 19, 20, 21 ou 22 ans pour le plus âgé. Mais le côté mémoriel existe quand même. Hein. Alors, peut-être que c'est le cas particulier d'une famille, mais je ne crois pas quand même. Hein. Il y a ce côté mémoriel qui existe, y compris pour des très jeunes soldats morts sans descendance. Oui, enfin, même chose, là, c'est personnel aussi, mais mon grand-père a survécu à la Grande Guerre, mais une des figures tutélaires de la famille, c'est un grand-oncle mort pour la France en 1917. Voilà. Donc, je pense que c'est représentatif d'autres, éventuellement d'autres. On a une question ? Non, je voulais juste une précision. Moi, je m'inscris quand même un petit peu en faux parce que je travaille sur un canton particulier et je suis très, très souvent contactée par des gens qui tombent sur mon site par hasard qui ignoraient totalement cet arrière-grand-oncle. C'est-à-dire qu'après, bon, je remonte la généalogie de ces morts et je tombe en suivant les grands-parents, etc., sur des arbres où ces jeunes gens qui sont morts sans enfants ont été totalement ignorés et les descendants ne les connaissaient pas. Donc je pense, je suis sur un tout petit canton et ça m'arrive très souvent, plus souvent que le contraire. Donc je crois qu'il y en a beaucoup qui sont passés à l'as. Justement, le principe, merci de l'avoir rappelé, et le principe de mémoire des hommes et du programme d'annotation, ça, c'est de pouvoir faire ressortir aussi ces personnes de l'oubli. Et donc là, on a un vrai travail de mémoire en dehors d'un travail statistique qu'on a souvent abordé autour de cette table ronde, je pense, pour faire des études particulières. Je pense que la première étape, c'est ce travail de mémoire. Et effectivement, c'est peut-être une petite pierre dans l'histoire, dans leur parcours, mais c'est une façon également de leur rendre hommage et peut-être de leur redonner une seconde vie, si je puis m'exprimer ainsi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, je suis en train d'indexer la Creuse. J'ai un peu arrêté, parce que bon, professionnellement parlant, quand on est comptable, les premiers trimestres sont un peu chauds. J'ai eu beaucoup d'erreurs sur les départements, parce que j'ai commencé en 2008, hein, donc bien avant tout le monde. Avec mon petit fichier Excel, j'ai extrait tous les noms de la Creuse. Et après, j'ai cherché les lieux de naissance pour vérifier tous les... Alors là, j'ai eu des grosses surprises. Hein. Des erreurs de département, donc attribuées à la Creuse qui n'était pas. Donc j'ai fait des mails et des mails en justifiant l'acte de naissance pour faire corriger sur la base. Et après, dans la Creuse, j'ai beaucoup d'erreurs de ville. Parce que je ne trouve pas le soldat dans la ville qui est marqué sur la fiche. Je la trouve ailleurs. Donc quand j'indexe, je mets la bonne ville. Mais est-ce que je dois signaler quand même, parce que c'est vrai que le nom que j'ai indexé de la commune n'est pas le même que sur l'affiche. Est-ce que je dois aussi envoyer tous les actes de... Comment ? La commune de naissance.
Alors, est-ce que je dois quand même envoyer l'acte de naissance au webmestre? Ou est-ce que je mets et puis je me tiens... Enfin, voilà, si on peut vérifier. Après, si on prend... si on veut vérifier mes données, on retrouve forcément l'acte de naissance. Hein, il est bon. Je pense que si vous faites un travail systématique, bon, c'est bien de prendre, je dirais, langue avec le webmestre et de vous entendre hein, sur la forme qui vous convient le mieux. Mais c'est vrai que sur le principe, lorsque nous, on va pouvoir valider une annotation, on va le faire au vu de la fiche numérisée. Et donc, on va pouvoir se poser la question de pourquoi ça n'est pas le bon lieu de naissance. Donc, sur le principe, effectivement, et c'est un principe qu'on s'est toujours donné pour fiabiliser nos données, encore une fois, c'est de ne pas s'en tenir au simple fait déclaratif hein, d'un internaute, de quelqu'un, et de toujours pouvoir documenter au mieux les mises à jour que l'on fait. Hein. Parce donc, que souvent, moi, j'ai encore 2-3 fiches où je fais une petite relance par rapport au département. Bon, j'ai quand même fait une centaine. Hein. J'ai pété de main morte, comme on dit. Je dois avoir 5 ou 6 fiches qui sont passées à l'AS au niveau du webmestre. Donc, je vais le relancer. Déjà, au moins, pour le mettre dans le bon département, pas le laisser en Creuse s'il vient de la Meuse, parce qu'il y a aussi beaucoup de confusion entre la Creuse et la Meuse sur l'écriture. Je vais essayer. Il y en a un paquet, hein, je vous préviens. J'ai beaucoup d'erreurs, même au niveau des dates de naissance. Je vous remercie. On nous dit aussi qu'il y a sur ces fiches hein, manuscrites un certain nombre d'erreurs sur les numéros matricules. Oui, j'en ai vu. Hein, moi, je vérifie tout, hein, la fiche matricule. Voilà. Et alors, c'est sûr, hein, c'est vraiment un travail de longue haleine. Moi, j'en suis à quoi, 1500 fiches. Je voulais faire les 3 départements du Limousin. Je crois que je vais m'arrêter à la Creuse parce que j'ai dû faire que 1500 fiches depuis un an. Je me suis dit que 9500 à faire, rien que pour la Creuse. Alors, vous êtes dans le top 50. Je peux vous demander sur les 1500 fiches que vous avez faites, quel est le pourcentage d'erreurs? Parce que je pense que ce serait très intéressant. Ouais, mais il faudrait compter. Je pense que ce serait intéressant de compter d'arriver à avoir des données hein, sur les pourcentages d'erreurs, sur les champs qui sont bien mal renseignés. Parce qu'après, comme historien, nous ça nous intéresse aussi pour pouvoir dire bon bah telle information qu'on va calculer, par exemple tel pourcentage de poils uviennes d'un département où sont morts telle date, etc. Est-ce que la date peut poser problème? Est-ce que le lieu peut poser problème? Est-ce que la commune peut poser problème? Est-ce que voilà, on pourrait avoir des informations là-dessus. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait essayer de construire pour après, nous, affiner nos marges d'erreur dans l'interprétation des données. Quand on fait la fonction CTRL-C, CTRL-V, on arrive à recopier le petit cadre qu'on a indexé sur un fichier Excel et je mets une étoile à chaque fois que je vois une erreur. Donc, si je peux communiquer cette fameuse liste qui n'est pas bonne, quoi. Oh. Avec plaisir. Avec plaisir. Je voulais juste rajouter un point, c'est que c'est effectivement moi l'outil que j'appelle de mes voeux, parce que là, on a des internautes, et vous n'êtes pas la seule, qui vérifient systématiquement chaque donnée, date et lieu de naissance, etc. etc. et qui n'en réfèrent pas toujours d'ailleurs au webmaster, mais le fait que ce soit une donnée vérifiée, vous comprenez, a déjà une valeur en soi, même si elle est exacte sur la fiche mémoire des hommes. Mais il se trouve que nous n'avons à l'heure actuelle, aucun lieu pour consigner ces informations. Voilà. C'est pour ça que j'appelle de mes voeux un outil véritablement collaboratif où l'on puisse consigner toutes ces informations qui représentent un travail titanesque parfois. Voilà. Et qui, pour l'instant, ce travail est perdu ou risque de l'être dans l'avenir. Voilà. Et parce qu'on est un peu en retard de ce point de vue-là. En plus, il y en a qui ont indexé et je vois qu'ils ont indexé avec des erreurs. Et c'est vrai qu'on ne sait pas la personne... Voilà, est-ce qu'on pourrait un jour contacter la personne qui a indexé la fiche, se mettre d'accord et lui dire, ben voilà, moi j'ai la... Parce que beaucoup s'indexent par rapport au livre d'or, sur lequel il y a des erreurs. Oui, mais je crois que méthodologiquement, il faut bien séparer 2 opérations. Il y a la transcription, elle devrait être littérale, et on devrait conserver, je dirais, trace de toute façon de la transcription d'origine, et avoir en superposition la version après... vérification de données, et quelles données ont été vérifiées également, c'est important de le savoir. Est-ce qu'on a vérifié l'acte de naissance? Est-ce que c'était la transcription d'un acte de décès? Est-ce que c'était une autre source? Voilà. Méthodologiquement et scientifiquement, on devrait procéder comme ça. C'est-à-dire, parce que je vois une volonté de modifier des fiches, etc., mais c'est bien, à condition qu'on conserve aussi trace de la base d'origine. Là, je parle plutôt en historien. Ouais. C'est génial. Voilà. Merci beaucoup. Malheureusement, on doit s'arrêter là. Je vous invite à continuer les échanges, peut-être sur le stand
du site Mémoire des Hommes que vous trouverez dans l'entrée. Juste un petit rappel en conclusion, à 14h45, Sandrine animera un atelier de présentation sur la base des fusillés de la Première Guerre mondiale. Donc une bonne façon de terminer cette table ronde. Merci à tous.